choses-ci. Vous pouvez vous mettre des mots. Bokoki kote lema. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Tokotanga eteni moko ya likomi. Nous sommes en 1 Pierre 2. Tozali na mokanda ya 1 Pierre chapitre 2. Oui. Du verset 7 au verset 10. Kobanda na molongo ya zomi na sambo kino na verset 10. Ah, kobanda na zela zomi du verset 7 au verset 10. Kobanda na zela moto muzela sambo kino na zomi. Un Pierre combien? 1 Pierre 2. OK. Verset 7 jusqu'à 10. OK. Nous sommes d'accord? OK. Que Dieu bénisse. Suivez attentivement. L'honneur est donc pour vous. Lukumu ezali bongo mpona biso, mpona bino qui croyez. Baye bandimi. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ces incrédules, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, on peut dire ça. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Nous devons en être fiers. Et dans la joie tous les jours qui passent ici. Parce que celui qui part, c'est notre Dieu. Il dit que nous sommes un peuple élu. Un peuple saint. Nous qui autrefois marchons dans les ténèbres et maintenant nous marchons dans la lumière. Non seulement la lumière, le Seigneur dit vous marchez dans son admirable lumière. Nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons en être fiers. Nous allons prier ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés et Père Céleste, nous te remercions sincèrement du fond de nos cœurs pour cette glorieuse déclaration de ce matin. Toi qui nous dis, l'honneur est fait pour vous qui croyez. Oui, Seigneur de gloire.
C'est une joie pour nous de comprendre que nous qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes réellement une race élue. Nous sommes réellement un peuple acquis. Un peuple de Dieu. N'est-ce pas c'est toi qui as dit? C'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne vient plus en jugement. Mais il a la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie éternelle. C'est pour cela, Seigneur de gloire, nous pouvons marcher aujourd'hui avec fierté. Toi qui dis encore ta présence au milieu de nous, c'est la vie. C'est la paix. Bien sûr, la paix qui vient de toi. La paix dans la souffrance. Et la vie pour toujours. Bien-aimé Père Céleste, nous pouvons quitter nos maisons et venir à cet endroit avec courage. Courage, avec espérance na elikia, que nous allons auprès de notre Dieu et qui biso, va nous parler. Oh, et c'est la vérité. Et quand nous venons ici, c'est pour qu'il puisse nous parler. So ki tokoya, we, zali mpwete, nous biso. Ne venons pas pour des rencontres politiques. Tokoya, wate, pour la masole, politique. Nous venons t'écouter, toi, le grand Dieu. Tokoya, koyoka, yon, zambi, monene. Merci beaucoup. Matondi, mingi. Seigneur, Nkolo, au nombre que nous sommes, nous étions réparpillés dans le monde entier. Personne d'entre nous ne peut choisir 10 personnes, 20 personnes au milieu de nous et dire qu'avant qu'on se rencontre ici, on se connaissait quelque part. Non plus. Mais c'est quand on est venu auprès de toi que nous sommes reconnus, que nous sommes même un seul peuple, le peuple de Dieu. Ainsi, Père Céleste, ton peuple n'est pas seulement ici à Kinshasa. Ton peuple est disséminé dans le monde entier. On peut aller n'importe où. Nous rencontrerons nos frères, nos sœurs. Merci beaucoup. Ainsi, Père, prépare-nous. Parce que ton retour est imminent. Nous sentons déjà que ton retour est imminent. Aide-nous à être réellement à l'attente de ton retour. Aide-nous à nous préoccuper à la préparation. Qu'à ton retour, que nous puissions nous réjouir. Bien-aimé Père Céleste, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence au milieu de nous. Parce que c'est toi-même qui as dit, s'il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Merci beaucoup. Et résous les problèmes de chacun de nous. Sois avec chacun de nous. Sois avec tes serviteurs qui vont prêcher aujourd'hui. Sois avec nos enfants qui vont présenter les examens d'état de demain. Sois avec l'enfant de notre soeur qui est allée en Angola. Console notre bien-aimé frère Lumbo Charles. Assiste le Seigneur de gloire. Il est l'unique de la famille. Il est l'unique de la famille. Il est l'unique de la famille qui peut faire quelque chose. Sois avec lui. Assiste-le. Afin que les choses se passent très bien.
jusqu'à l'enterrement de sa nièce. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant d'Abraham, disponibilise le cœur de chacun de nous à t'écouter pour ta gloire et pour l'honneur de ton nom. Nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Kembo, kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, kembo, alléluia. Yo so pona Yesu kembo 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 hallelujah hallelujah kembo kembo hallelujah hallelujah kembo kembo Alléluia, yo sompona Yesu. Toko bondela mokona mokona biso sima ya koyoka liteya. Nous allons prier chacun de nous après avoir écouté la parole, la prédication. Oh, Jamais. Yo zayo moko kaka. Zambe moko ya solo. Be bomoi bwaseko. Oyo kelanga mawa. Zambi. Nalinginde koyoka yo. De posa ya motema. Kusala yango. Yo okolinga. Yo ndoko pesaka makoki makasi. Woko kisaka oyo akokati. Obongi saka oyo abongati. Ute ya koya te ya mite. Fungulaka miso ya bakufeli miso. Opesaka kondime pa ya bazangi yango. Matondo. Na kombo akole Yesu Kristo. Iloba lisala musala. Amen. Notre Père bien-aimé, Dieu notre Père bien-aimé, Zambe tata na biso molingami, nous te disons merci pour ta précieuse parole. Toko lobana yo matondi pona lilobana yo ya kitoko. Tu nous as révélé ta volonté en ces temps. Yo monise lwiso yango. Tu nous as révélé ta volonté en ces temps de la fin. Monise lwiso mokano na yo kat na ntango ya suka. Nous avons reconnu ta promesse, Seigneur. Biso to ebaki elaka na yo nkolo. Car après avoir envoyé lui le prophète avec le message,
Jambisi manayo kotinda Eliya Mosakoli elongona sango. Et qu'il ait accompli sa mission. Pe kokokisa etinda naye. Tu l'as retiré de la scène. Yo longola kiye na mokili. Et tu as suscité ton serviteur fidèle et prudent. Pe yo kotelemisa ki mosal na yo ya sembo. Pour qu'il puisse continuer avec ce précieux message. On vit donc distribuer aux domestiques de ta maison. Et qu'ils distribuent à tes enfants en tant que nourriture spirituelle au temps convenable. Cela est caché aux yeux des sages et des intelligents. Mais à tes enfants, tu as révélé cela. Et nous sommes les privilégiés puisque nos yeux voient. Et nos oreilles entendent. Et nous participons à ce que tu fais présentement. Merci Seigneur, puisque tu l'as voulu qu'il en soit ainsi. Non pas puisque nous avons reçu et mérité quelconque, mais nous reconnaissons cela que ce n'est que par ta grâce. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de chacun de nous. Limbisani moko na moko na biso. Pardonne nos iniquités. Limbisa bokeseni na biso. Et que nous puissions réellement prendre part à ce que tu fais présentement. Et te tokoka solo solo penza kosangana na mayo zali kosala sika sika. Ce matin encore, tu nous as rappelé ce message de 1989. Yo kaniseli biso sango oyo ya 1989. Et ça a toujours été une parole vivante. Et nous l'avons reçu avec joie, Seigneur. Accorde que ce dont cette parole a été destinée puisse s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Béni ton serviteur fidèle et prudent. Pambola, Mosel, Nayo, Yakenge, Peo, Yapridan. Bénis tous tes domestiques qui sont connectés à ce ministère. Bénis tes enfants qui sont nourris par cette parole. Nous nous remettons à toi pour le reste du programme. Et à la parole de ta grâce. Reçois honneur et gloire par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu es qu'un combo yankolonabiso Jésus-Christ et kumama. Laisse que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. On dirait que c'est comme si c'est toi qui veux être loué. Yende. Seulement lui. Libanda na ye mususu azati. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui te glorifie là, il n'est rien. C'est lui qui est quelque chose, c'est seulement lui. Parce que c'est lui Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. Et il nous a sauvés. C'est lui qui mérite la gloire, l'honneur. Et la louange. Sokotoye awa na baebele no moko no a emoniseli
Dans Apocalypse chapitre 5, nous allons lire ceci. Nous lisons ceci. Au verset 9. Et il chante un cantique nouveau en disant: Pe bazalaki koemba loembo ya sika kolobaka. Tu es digne de recevoir de prendre le livre. Yo bongi na kokamata buku. Non pas frère Branham. Ndeko Branham te. Ni frère Franck non plus. Ni frère Franck non plus. Ni frère Franck non plus. Ndeko Franck ce qui m'occupait. Mais Jésus-Christ. Kasi Yesu Christ. On est digne. Yende abongi. Tu es digne de prendre le livre. Abongi na kokamata buku. Et d'en ouvrir les sceaux. Pe kofongo la bilembo. Voyez. Omoni. Et d'en ouvrir les sceaux. Pe kofongo la bilembo nango. Voilà. Car Jambi, tu as été immolé. Yo, bon mamaki. Et tu as racheté pour Dieu par ton nom, par ton sang. Pe yo sikola kimpo na nzambe na nzela makilama yo. Des hommes de toute tribu. Bato ya bikolo nyonso. Regardons-nous. Totalana. Kamba kite, mon cher, awe zali ben abika. Voilà, Nzambe asunga yo. Et j'aime cela. Pena linga bongo. Soki ndeko ase afandi wana tuti kananu yeto yoko. Tuebite. Eloko ni Nzambe alingi kosa. Il chantait un cantique nouveau. Bazalaki koyemba loyembo ya sika. En disant. Korobaka. Tu es digne de prendre le livre. Yo bongi na kokamata boku yango. Et d'en ouvrir les sceaux. Pe kofongola bilembo nango. Car tu as été immolé. Jambi yo bomamaki. Et tu as racheté pour Dieu. Pe yo sikola ki pona nzambe. Pas pour toi-même. Mais c'était pour Dieu. Pas ton sang. Des hommes de toute tribu. Total ananan. Regardons-nous d'abord. Eberewa bituka. Atana Kongwawa. Beaucoup de tribus, même ici au Congo. C'est pourquoi. Tu n'as aucune raison ya koluka ete kaka ba mongo ba zalawa. C'est pourquoi tu n'as aucune raison de chercher qu'il y ait seulement les mongo ici. Ou bien de baluba. Ou de batetela. Tompe batetela. Parce que Jésus a racheté par son sang. Les hommes de toute tribu. Bato ya bituka nyonso. De toute langue. Ya minoko nyonso. Alors sikoyo. Toloba mutuna mutuna langue na ngai na koloba na kimongo. Cha komba ko sakele boka ko waswa. Donc Nzambe apambula yo. Nzambe apambula. Que Dieu te bénisse. Mutuna mutuna bana lokota na ye. Mena que chacun dise à sa langue que Dieu te bénisse. De tout peuple. Ya libota nyonso. Et de toute nation. Pe ya bikolo nyonso. Tu as fait de. Yo shalaki na bango. Des rois. Bakonzi. Et des sacrificateurs. Pe banganga nzambe. Pour notre Dieu. Po na nzambe na biso. Et en tant que roi. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen.
Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Natala kimpe na yokaki ba maloba ya banjo ebele. La voix. Mongongo yango ya banjo ebele. Autour du trône. Zinganzinga na ngwende. Deux êtres vivants et des vieillards. Isali na bombo impe mibange. Et leur nombre était des myriades de myriades. Et des milliers de milliers. Milliers. Il disait d'une voix forte. Écoutons. Toyoka. L'agneau qui a été immolé est digne. Pas quelqu'un d'autre. C'est seulement l'agneau qui a été immolé. Lui seul est digne. Digne de quoi? Digne de quoi? Non, de quoi alors? Digne de quoi? En quoi? En quoi? Na nini? Kembo, le coup mon na ya bongi, abongi na eloni. Abongi na eloni. En quoi? Il est digne en quoi? Il disait d'une voix forte. L'agneau. Qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la. Voyez frère, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Moussou Azate. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Yemba Moyembiawa. Azate. Moussou Azate. Bobele yo Yesu. Seulement toi, Jésus-Christ. Amen. Ezra Bongo. Mais maintenant, tango. Nali kolo bikela mobina bijaribina baza kope sankembo na mwana ngo ya mpate. Maintenant là au ciel, quand ces êtres vivants donnent gloire à l'agneau de Dieu et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, voilà, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, et l'honneur, la gloire, et la force au siècle des siècles. Maintenant, quand toutes les créatures qui s'y trouvaient na ba planète isoina, sur toutes les planètes, Israki koloba bongo, conjoindre leur voix, na voix ya ba racheté, et la voix des rachetés,
Et les quatre êtres vivants qui disaient... Non, les quatre êtres vivants, qui disaient... Amen. Et j'ai la bongo. Il n'y a rien à dire. Tout cela est allé l'agneau. Bango balobika. Amen. Vous pouvez dire que c'est la bongo. Et après cela, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Se prosternèrent, ba gumba maki, et se et où et adorèrent. Pe ba sambelaki. Point très. Mutu yako sambela yewana. C'est celui-là qu'il faut adorer. Yana mutu mususute. Pas quelqu'un d'autre. Mingi baalinga baka bula lokumu na eba pesa ndamo frère langa. Non. Non, il peut pas partager sa gloire avec frère langa. C'est un simple serviteur inutile. Azali bobere mosali moko ya pamba. Amen. Ezala bongo. À lui seul. Et pas na ye moko. De topé sa kayam. Et c'est trop bien. Topé sa yen kembo, yo kolo kate, amen. On dirait que ça, la moto moussous, ya kopé sa yen kembo. Et si nous disons que nous le donnerions la gloire, c'est comme si avec quelqu'un kakande a bongi na yango. C'est seulement lui qui mérite. Et dans l'église, kakaye. Panje mon abisso, ye. Ma bonde li nabisso, ye. Matéa nabisso, ye. Dans nos prédications, le sang mon abisso, ye. Dans notre prière, seulement lui. Yana mutu mongo azana nguya wate. Yate, yate. Na obibie azate. Il n'y est pas là. Mimi mote yo kani zwana, c'est un prédicateur puissant, c'est faux. Même le prédicateur qui pense qu'il est puissant, le kuta. C'est Jésus qui est le tout puissant. Bobere Yesu Kristo ndiye azale oya nguya nyoso. En lui-même la puissance. Et même la force. Même bokasi. Lui seul. Ye mogo ka. Pas quelqu'un d'autre. Moto mususute. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tango toko koma na kondima yandenge wana. Lorsque nous arriverons à croire si na ye siko ya bongi ko djua. Nous lui donnons la place qu'il mérite. Mais au komona. Et tu verras. Mais nous autres ya yem pembeni. Mais nous lui mettons à côté. Voyez, nous autres ya nesika na ye. Et à sa place, nous mettons quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas correct dans sa maison. L'église est la maison de Dieu. C'est ici qu'il règne. Le règne yaye sur toute la terre n'a pas encore commencé. Il doit régner ici. Dans sa région. Dans sa région, dans sa province, dans son pays, dans sa patrie, dans sa ville, c'est l'église. C'est comme ça que nous croyons. Amen. Mais la prédication déjà est bandite. La prédication a déjà commencé. C'est ça. Et puis, ce qu'on t'a lié à voir. Et si tu lis ici, verset 9. Au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant. Bajalaki koemba loembo nasika kolobaka. 4. En disant. Kolobaka. 1. En disant. 4 dit na kolobaka. Tu es digne de prendre le livre. Yo bongi na kokamata boku yango. Wa piesiko balobi que Frère Branham est digne de prendre le livre. Où est-ce qu'il est écrit que Frère Branham est digne de prendre? Est digne de prendre le livre, Frère Branham. Et tu es digne na kokamata boku de Branham. Où est-ce que cela est écrit? Rien. Mais pourquoi yo koloba ne sika yango yo dit Frère Branham? Mais pourquoi toi tu dis à la place de l'agneau, toi tu mets Frère Branham? Tu es antichrist, toi. Tu es antichrist. Anti-parole. Anti-Dieu. Anti-Dieu.
Pourquoi? Pourquoi l'agneau en est digne? Wonanini mwana pete yango ya bongi. Abongi na kozwa buku en est digne. Pona nini? Ya bongi nango pona nini? Pona nini abongi nango? Biblia lo biboyi. La Bible dit. Et biboli polele. Et c'est très clair. Alobi, il dit, car tu as été immolé. Jambi yo bomama ki. Est-ce que frère Branham a été immolé pour nous? C'était l'agneau. L'agneau de Dieu. Mwana pate yango na Nzambe. Qui ôte le péché du monde. Yende azaki immolé. C'est lui qui était immolé. Allez, kambe kapo na biso. Il est passé en sacrifice. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Et Jala Bongo. Mbeka oyo agneau alekana. Et les sacrifices que, par lesquels l'agneau est passé, il n'a pas été offert en sacrifice. Kakapona yonangayawa. Ya kabama ki nambekate bobele pona yonangayawa. C'est pour tous les rachetis. Ezali pona basiko la mignonso. Depuis le jardin d'Eden. Outa ilanga d'Eden. Que ce soit Adam et Ève, c'est la même personne. Pas autre. C'est lui le parent rédempteur. C'est lui. C'est lui le sacrifice parfait. Victime expiatoire. Voilà, c'est lui. Le vieux péché du monde. Le vieux péché du monde. Voilà. Celui l'agneau qui l'ôte. Yende moi nango ya pate o ya kolongolango. C'est lui. L'agneau qui l'ôte. Yende moi nango na pate a kolongolango. Il y en a mususu te. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et cela. Benango. Par son sang. Nanzela makila maye. Il a ôté le péché. Alongola kilisu. Il a expié le péché. Il a annihilé le péché. Alongola il a même kilisu. Supprimé le péché. A supprimé lisumu. Il a effacé le péché. Il a effacé lisumu. Il nous a lavé, nous a nettoyé. Et présentement, nous sommes purs. Et ça, est purifiés par son sang. Nous sommes lavés dans son sang. Voyez, frère. Aujourd'hui, nous sommes nets. Nettoyés dans le sang de l'agneau. Plongés là par la foi. Et t'as sorti de là déjà net, déjà pur, déjà pauvre, déjà lavé et aussi sanctifié. Et cette sanctification, c'est une fois pour toutes. Amen. C'est comme alors, ça que nous croyons. Mais c'est lui qui t'a lavé. C'est celui que tu dois glorifier. Moto ya petola ki yo yonde. Yangonde yende okosanjola. C'est lui qui t'a purifié. C'est celui que tu dois louer. Moto ya longola yona boumbo. Ye wana kakande okosambela yete. C'est lui qui t'a ôté des esclavagismes. C'est celui qui t'a délivré. Qui t'a délivré. Qui t'a racheté. Oh, yende, yende. C'est lui. Moussou Zazate. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vous dis clairement, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Élie était là? Nous, Élie a ou bien Enoch aussi était là. Tombe Enoch, Père, là.
Moïse, le grand prophète de l'ancien testament, était là. Et frère Branham aussi était là. Lui qui avait, qui devait avoir le ministère de l'homme. Et tous étaient là. Dieu les a déjà vus. Mais personne d'entre eux n'était digne. Personne d'entre eux n'était digne de prendre les livres et d'en briser personne. Aucun. Kaka mon empate. Seulement l'agneau. Tu penses que là au ciel, il n'y a pas de vie. Même des fils de Dieu créés. Attaco. Attaco. Bananazambe au Bakelama. Bazana Lola. Ils sont ce sont des anges. Des séraphins et des chérubins. Et tous étaient là. Mais attends, mon côté à Zaki digne. Mais attends, mon côté à Bongaki. Topa Kokaki. Kobong. Mon côté à Bongaki. Mon côté à Bongaki. Kaka matata, beaucoup yango, kamatata yango. A touché à ta yango. Non, attends, mon côté. Personne, aucun. Pourquoi? Parce que Moko n'a pas encore été à Koufirabis. Parce que personne d'entre eux n'était mort pour nous. Boya Mabeleawa. Pourquoi Babonga quitté? Pourquoi? Moko n'a pas encore été à Koufirabis. Parce que personne n'était mort. Kuna na Lola. Là aussi. Akoma kiawa na mabele. Il est devenu sur la terre. Yende abongaki. Et c'est lui qui était digne. Soko luki na Lola nani. Si tu Boko kuta kaka la nyo. Vous ne trouverez que Oyena mabele awa nani abongi. Boko kuta kaka la nyo. Tu ne trouveras que la nyo. C'est le ciel, le fils de l'homme, qui est dans le ciel et qui est descendu. Croyez-vous cela? Le seul. C'est comme cela que nous croyons. Mais nous sommes dans la kuna. Et si la là, tous les êtres, les anges, les regretter finalement, il y a un peu de temps. Mais à la fin des comptes, voir l'un de l'habitant du ciel, Jésus-Christ. Jésus Christ. C'est lui qui était là. Heureusement, Yaza. Heureusement qu'il était là. Il est là. Heureusement. Heureusement qu'il est là. Azaliwana. Et c'est bien qu'il soit là. Azaliwana. Il a fallu lui. Et Sengela qui kakaye. Et awana mabele soki toluki 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 toluki. Et si c'est la terre, si nous cherchons, nous cherchons. Dieu nous a fait grâce. Et Nzamba sele li bisongolu. Dans son grand amour, il a produit toute une personne. Non, il a produit toute une personne. La personne de Jésus, Abotisaki, il a produit toute une personne. La personne de Jésus-Christ, ici sur la terre. Jésus n'était pas né dans le ciel. Mais il était dans le ciel. Et aujourd'hui, il est dans le ciel. Mais c'est bien lui qui est descendu. En descendant, il devait naître. Croyez-vous cela? Et il devait représenter les habitants du ciel et les habitants de la terre. L'homme est digne. La personne est digne. L'unique. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Kasi pona nini banjelu lokola ba Gabriel ba Michael. Mais pourquoi les anges comme Gabriel comme Michael? Ba bonga kati. Ils n'étaient pas dignes. Pona nini? Pourquoi? Pour moko na bango akoma e boto na bisote.
parce que personne d'entre eux n'est devenu notre rédempteur. Voyez, aucun d'entre eux est devenu notre parent rédempteur. Notre parent. Personne. Aucun. Voyez, Gabriel a gardé sa nature. Gabriel a de la même manière. Donc des anges. C'est-à-dire Angelo. Voyez. C'est ça. Isaïango. Mais pour nini ana mabele. Mais pourquoi ici avant sur la terre? Avant mabele to luka cause. Avant que nous arrivions sur la terre, c'est la cause. Nous avons parce que bango banso ata mokote akomaka eboto na biso. Nous avons vu que là-bas au ciel, aucun d'entre eux n'était devenu notre rédempteur. Ah. Non, naobi eboto, eboto. Notre parent. Ah. Proche parent. Notre proche parent. Parce que avant comme rédempteur, il faut d'abord ojalanano proche parent. Avant de devenir rédempteur, il faut que tu sois d'abord un proche parent. Mais kaka ye mutuana. Mais c'est celui l'agneau là, qui est devenu notre proche parent. De akoma ki eboto na biso ya pene. Il est devenu notre frère. Je vais vous le lire. Écoutez. La parole de Dieu. Si nous prenons les Hébreux. C'est écrit ainsi. Les Hébreux. Les versets 11. Pourquoi banana, c'est pas un problème. Car celui qui sanctifie. Jambi oyo akobulisa. Et ceux qui sont sanctifiés. Beba yeba bulisami. Sont tous issus d'un seul. C'est-à-dire Natata Moko. C'est pourquoi? Parce que un seul oyo, il faut se soigner Tata. Et à Tata. Moko oyo, et Sengiri Kososora, et à Tata. Et Zande, Ali Kolobantina, et à Tata. Seul oyo, ne Tata. Moko oyo, ne Tata. Sont tous issus d'un seul. C'est-à-dire d'un seul père. C'est-à-dire Natata Moko. D'un seul engendreur. Tata Moko. C'est pourquoi. Nayango. Il n'a pas honte. Ye azui sonite. De les appeler frères. Yakobianga bango bandeko. C'est la suite de ces versets. Nez otalisabiso que un seul roi les appelle. C'est la suite de ces versets qui nous montre qu'un seul là se peur. Ah, ils appellent. Parce que lui qui nous sanctifie, le Fils, n'a pas honte de nous appeler, frère. Et le frère Ezaba, Tobauti na makila moko. Et les frères sont des enfants venus. Tata moko. Ils sont venus d'un même père. Wanane bochokolami yamako. Là, c'est... Polingomba livanda na bosikisiki. Pour que l'Église soit bien plantée. Et là, comme monsieur Goyana Simawana, Yango Wana. Ne cherchez pas la wana. Reste là. Que Ngande Nalia Wana, Yesu Christo, toi, Tata Moko. Moi et le Seigneur Jésus-Christ, nous avons un même. C'est l'assurance que donnent les Écritures. Et nous sommes assurés que Jésus est notre frère. Nous sommes ses frères. Il est devenu notre frère. Il est notre aîné. Le premier aîné de beaucoup de frères. Amen. Voilà. Oh, la parole de Dieu. Mais pourquoi Paul dit cela? Mais pourquoi il peut être Pedro à c'est en rapport à ce qu'il est dit. Ezali kati na boyokani na baye bakoloba. Non,
rapport avec ce qu'il est dit, ce qu'il dit, ce qui est écrit. Lorsqu'il dit, parce que c'est dit déjà, cela a été dit, et c'était avant qu'il naisse, qu'il soit engendré, c'est déjà dans la Genèse des amants, il était dit, ou il a été dit, j'annoncerai ton nom. Celui qui dit ici, j'annoncerai. Le pronom personnel ici, J. C'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas Dieu. C'est le Fils qui parle. C'est le Messie. J'annoncerai ton nom. Ici, ton nom. Toi ici, remplace le Père. Ton, yo, 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 yo. Étale la tata. Ton. Ton nom. Kombo ya yo. Ce n'est pas d'abord mon nom. Moi, je suis le Fils. Mais j'annonce ton nom. Tata qui est mon père et leur père. Et pas y a banani. À qui? À mes frères. Et pas y a bande konangai. Amen, les affaibles. Amen, le lobe mena bolembu. Les gens s'étonnent disant, oh, c'est comme ça? Oui, c'est comme le ça. Le fils est notre frère. Il est devenu notre frère. Il est notre aîné. C'est déjà dit dans l'Ancien Testament. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tout le monde dans le Nouveau Testament. C'est que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et ça, beaucoup qui dans l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement de ce qui s'est annoncé dans l'Ancien Testament. Voilà. Ce qu'on tangi awa. Si nous lisons ici, c'est écrit ainsi. Psaume 89. Ici, c'est le Père qui parle. C'est l'Esprit de Dieu en David. Et le Père dit, lui, quand il dit lui, c'est-à-dire il parle du Fils. Lui, le Fils, il m'invoquera. Mais ici, c'est lui, Père. Lui, c'est le Fils. M'invoquera, c'est le Père. Akobele langai ezata tande. Il m'invoquera, tata c'est le lobi, père. Ye, le père dit. Mwana, fils. Akobele langai. Il m'invoquera. Voilà. Messie akozala mwana ngo ya nzambe. Le Messie sera mwana le ya nzambe, mwana ya tata. Le seul engendré. Yé, akobele langai, tata na yé. Lui m'invoquera, moi, son père. C'est toujours mon dans la Bible, yé, ça se roba, mon père est plus grand. Père. Parce que c'est déjà écrit. Si nous voyons dans la Bible, il dit, mon père est plus grand. Parce que c'est déjà écrit dans la Bible. Ça se roba, tata, abandonne roba, tata. Lorsqu'il disait, père. Tata. Pour essayer qu'on mama bongo. Il appelait Dieu, père. Parce que cela était déjà écrit. Lui, c'est-à-dire le Fils, il m'invoquera. Le Fils m'invoquera, moi qui suis son père. Il m'invoquera comment? Tu es mon père. Voilà. Tu es mon père.
Et non pas seulement mon père. Kaka te tata nanga. Et aussi mon Dieu. Peli susu nzambe nangai. Et encore. Peli susu. Le rocher de mon salut. Libanga elobiko nangai. Oh, balinga mikati dans kolo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela la relation entre le Père, entre Tata, Katikati, entre le Père Katikati na Tata, et le Fils. Amen. Et moi, quand tu m'invoqueras ainsi, que tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi qui suis son Père, je ne resterai jamais silencieux. Je dirai quelque chose à son sujet. Et moi, qu'est-ce que je ferai de lui? Je ferai de lui le premier né. Amen, Ezate. Amen, Ezalite. Hey, ma soeur, tu regardes où? Mais voilà, regarde-moi ici. Oh, talawabi. Pourquoi une distraction? Pourquoi cette distraction? Tu rentreras à la maison avec quoi? Tu es venu ici faire quoi? Toi, tu penses qu'il y a une autre préparation? Aujourd'hui, c'est le temps de préparation. Chaque réunion de nos joies, les apôtres se préparent. Chaque réunion, c'est pour que nous puissions nous préparer. Et Dieu nous prépare par sa parole. Et Dieu nous prépare par sa parole. Toi, les yeux de Paris, qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches quoi? Amen. Et ça, la bongo. Omoni. Voyez-vous? Et moi, Bengai, je ferai de lui le premier-né. Nakosala na yembo botami na yambo. Je sais que Dieu le Père a fait du fils. Yangonde zambe tata salaki na mwana yango. Ah! Il a fait de lui le premier-né. Asalaki na ye mobotami na yambo. Omoni. Voyez-vous? Et le plus élevé. Eo ya tombwami. Ah, le plus élevé des rois de la terre. Aucun roi est élevé plus que lui. Il est le plus élevé. Il est au top de tous les rois de la terre. Au sommet. C'est-à-dire à la cime même. Du coup, nous avons dit que 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 nous avons dit il a aussi le pouvoir de les déplacer. Il a le pouvoir de les instituer. Les instituer et aussi le pouvoir de les destituer. Pourquoi? Parce qu'il est le roi de Salem. Et aussi, il est le roi de justice. Et pour finir, il est le roi des rois. Amen. Moi, je ne veux pas que vous soyez distrait. Entrez dans le jeu. Entrez dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Et que le Saint-Esprit saisisse chacun de vous. Avec que tous nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Et nous acceptons cela. Amen. Oui. Io. Au monde. Voyez-vous? Et c'est comme cela que nous croyons. Mais quand ici. Mais maintenant ici, quand Nantango Awa, Dieu dit, je ferai de lui le premier né. Zamba lobi na kosala e mobotami na yambo. Le premier né. Mobotami yango na yambo. C'est par rapport à qui et la banane. Et kotale la nani pe banani.
C'est ici la réponse. Parce que Alobaga, je ferai de lui le premier-né. Le premier-né de qui? Des animaux? Des oiseaux? Des rivières? Des arbres? De la terre? Des cieux? Non. Non. C'est pas comme ça. Et comme c'est une question biblique, il faut que ça soit une réponse biblique. Et nous demandons à Dieu, tu feras de lui le premier-né de qui? Et Dieu nous répond. Et cette réponse par sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Il nous répond par la Bible. Car déjà pose des questions et Dieu répond par la Bible, par sa parole. Et pour chaque question biblique, il faut que ça soit une réponse biblique. Si vous me posez maintenant une question qui me concerne, et vous aurez aussi besoin de ma réponse, la réponse qui vient de moi, vous n'aurez pas besoin de la réponse biblique parce que vous n'avez pas posé cette question à Dieu, mais c'est à moi. Et la chose me concerne. Ce qui concerne mes affaires, ma vie, c'est moi qui en ai la réponse. Ce n'est pas à Dieu de lui poser une telle question. Amen. Est-ce que ça peut aller? Il y a beaucoup de prédicateurs qui répondent à la place de Dieu et ils donnent leur propre réponse. Nous n'avons pas à donner nos réponses quand un fidèle a posé une question à Dieu. Mais cherchons ce que Dieu a répondu. Cherchons ce que Dieu a répondu. Cherchons ce que Dieu a dit. Et donner cette réponse aux croyants. Amen. Le temps est venu de mettre cette application en action. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce clair? Mais maintenant, nous posons la question à Dieu. Tu feras de lui le premier-né de qui? Et nous attendons maintenant la réponse de Dieu. Et si Dieu qui nous répond, il faut que cette réponse soit trouvée écrite dans la Bible. Et la voici. La voici. Écoutons. Romains. Chapitre 8. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Pré, ça signifie d'avance. Okay. Vous voyez? Car ce qu'il a connu d'avance. Autre traduction dit ceci. Car ce qu'il a préconnu. C'est-à-dire connaître d'avance. Le prêt là remplace d'avance. Avant. Faut bimbisa mongongo, komerate. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image
de son fils. Pourquoi? Voici la raison. Afin que son fils soit le premier né. Et la Bible ajoute pour nous donner la réponse de beaucoup de frères. Mais d'absomme, ce n'est pas écrit, je ferai de lui le premier-né de beaucoup de frères. C'est écrit tout simplement, je ferai de lui le premier-né. Maintenant, nous posons à Dieu la question, le premier-né de qui? Et Dieu nous donne la réponse. Et cette réponse est par son apôtre. L'apôtre Paul. Et il nous dit, le premier-né de beaucoup de frères. Le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Tobo yangote. Nous ne refusons pas. Mais Nzambe a eu mon akaka moko anate. Mais Dieu n'a pas eu qu'un seul fils. A eu mon akaka moko anate. Il n'a pas eu seulement un seul fils. Ce seul fils. Ce seul fils. Nzaka mona moko anate. Il n'est pas seulement ce seul fils. Non. Après lui, Dieu a engendré beaucoup de fils. Il a engendré Abotaki. Il a engendré beaucoup de fils. Et nous le sommes. Et je le dis avec force. Et ma force, c'est l'écriture. Est-ce que ça pour lui? Est-ce clair? Jésus n'est que le commencement. Le commencement de la création de Dieu. Jésus n'est que le premier né de toute la création. Non, pas Bibi. De toute la création. Oui, frère. Parce que vous allez mélanger. Que Jésus a commis premier né là-bas. Vous risquez de mélanger les créatures des animaux et des oiseaux. Et les oiseaux, Jésus a commis Kuroutou là-bas. Et Jésus est devenu leur premier né. Il est le premier né de toute la création. Et voici. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, Jésus est le premier né. Croyez-vous cela? Les gens posent des questions et Dieu répond par sa parole. Et il n'est pas écrit, si une créature est en Christ, n'importe quelle créature est en Christ, si un animal est en Christ, un oiseau est en Christ, un reptile est en Christ, ou une reptile, mais je ne sais pas quoi, ou bien un arbre est une nouvelle création, dont Jésus est le premier né. Non. Mais si quelqu'un, il parle des hommes, des hommes et des femmes qui sont en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. En d'autres termes, Dieu t'a recréé. Voilà. Il t'a recréé. C'est comme ça. Par la première naissance, tu as été premièrement créé.
Et par la nouvelle naissance, tu es recréé. Et tu deviens une nouvelle création. Dont Jésus est le premier-né. En tant que le commencement. Et bandeliango, frère. De la création de Dieu. Et la création de Dieu qui est appelée la nouvelle, c'est nous, dont Jésus est le commencement. Et comme il est le commencement, c'est-à-dire il est le premier-né de toute la création. Et aussi le premier-né toute la création. Toute la création qui signifie beaucoup de frères. C'est une nouvelle création de frères. Amen. La création nouvelle des enfants de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Jésus est le commencement. Il est le premier né d'entre les morts. Il est le premier-né de beaucoup de frères. Dieu a fait de lui ce qu'il est. C'est-à-dire le premier-né. Voyez, frère, en quelque sorte, il est même le prémisse de Dieu. Le fils est né du Père. Le fils de sa vigueur, de sa force, de sa puissance. Nous ne sommes que sa suite. Balandinaye. Alléluia. Celui qui a ouvert le sein du Père. Voyez, frère, c'est comme ça. Et après, c'est ton tour. Mais nous avons demandé mon tour de mona. Et c'est comme cela que nous croyons. Dis-le-bas, ensemble. La parole de Dieu. Dis-le-bas, ya kitoko. La parole merveilleuse. Dis-le-bas, ya bopeto. La parole pure. Dis-le-bas, ya bosantu. La parole sainte. Oui, mais nous avons dit, mais ce que nous tu sais la parole de Dieu si tu entends ça. O koko ma kitoko. Tu deviendras merveilleux. Tu deviendras beau. Même belle. Parce que nous devons apporter la beauté. Parce que la parole apporte la beauté. La beauté divine. La beauté naturelle et spirituelle. Est-ce que ça pour les? Est-ce que nous avons demandé des guana? C'est comme cela que nous croyons. Nous avons Belisa comme la biso pureté. La parole de Dieu nous apporte la pureté. Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle est pure. Elle est la pure parole. Afin de nous accorder la pureté. Afin de nous purifier. Afin que nous devenions purs. Voyez-vous cela? C'est pourquoi la parole de Dieu ne tolère jamais un mélange. Non! Il faut être calandenge yango ejali. Elle doit rester telle qu'elle est. Non, il va en zambé bien. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez entendu. Qui a entendu le mandat? Qui nana yoka ki etinda? Mandat, lobaka mandat, ba mandat. Nana yoka ki mandat. Likambo ya mandat ezongala lelo. Le mandat aujourd'hui, vraiment, ça arrive. Mais, oh, frère. Mais tu es là. Je ne savais pas. Mais on t'attendait, frère. Frère, vous êtes là. Vous allez causer là-yo. Bien-aimé. Molingan. Nana yoga ki mandat. Qui avait entendu le mandat? Qui avait entendu le problème de mandat qui a été prêché aujourd'hui? Qui a écouté ça qui lève son doigt?
Frère Lobango, alobagini. Frère dit, qu'est-ce qu'il a dit? Manda. Manda. Hein? Attends, non pas magasin. Ozo baga malem. Alobagini te doba. Ganga. Crie, parle à haute voix. Alobagini kambo ya likambo ya manda. Il a parlé de manda. Alors, le mandat est un des Yanzambe et Zayamoutouté. Il a dit le mandat, c'est un des Yanzambe. Il a lu avant. Attends, qu'est-ce qu'il a lu? Loba. Parle, parle. Nani a complété? Qui peut compléter? Oui, il y a un gars qui a mandat. Qui a entendu les problèmes de mandat? Qui? Frère, en tout cas, vous voyez l'église, c'est plus beau que le mode. Mes frères, vous êtes venus à l'église, vous n'avez rien compris. Loba, frère. Loba, magasin. Parle à haute voix. Alobi, manda o yaye, ezali ya kokende na mokili mobimba. Il a dit, le mandat qui est à lui, c'est d'aller dans le monde son entier. Mandat à lui. Son mandat à lui, c'est d'aller dans le monde entier. Et ce qui est là, non, 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 qui peut ajouter un autre élément. Oui, frère. Alobaki mando ya ye za kokende mokili mobimba. Hein? Alobi mando ya ye ezo leka ya bakonji ya bikolo. Il a dit que son mandat dépasse. Ah, alobi pe nzambe apesi pe mandat e pa ya basali na ye. Dit que Dieu a donné aussi son mandat à ses domestiques. Le mandat. Le mandat à ses serviteurs. Ah, lobi mandat oyope yabasusu ezali. Dokola ba pasteur, dokola ba évangéliste, ba docteur, ba apôtre, pe bongo na bongo. Mandat suki kawana. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Ajoutez, frère. Ajoute, frère. Ah, donc, il y a une écriture où il y a un mandat naïe. Ezalinde, Mathieu, écriture la mandat naïe, Zaganine. Non, il y a une écriture la mandat naïe. Matthieu 24:45. Matthieu 24:45. Mais ce qu'il a lobby, deux frères a complété. Maintenant, il a dit les anciens de 1 Timothée. Chapitre 3. Chapitre 3. Bango pe bazui ya bango mandat. Et aussi ont reçu leur mandat. Ce qu'on mandat na bango kokesene na oyo yaye ezanine. Leur mandat qui est différent du sien. C'est quoi? C'est quoi? Quelle est la différence? Entre mandat ya ye na mandat ya ba ancien. Quelle est la différence entre son mandat et le mandat des anciens? Voilà. Abi mandat ya ba mpaka soki obianga mpaka ba placer yo na Saint-Esprit wana. Yo osi mandaka kana losambo ya yo yamboka. Si tu as le mandat d'un ancien si on t'a établi ancien. Si on t'a établi ancien. Tu as reçu aussi un mandat. Yo osi pe mandat. Mais ton mandat toi, mandat oya ce yo, n'est pas de voyager de ville en ville comme lui. Mais de rester dans ton assemblée locale. Est-ce que ça pour est-ce que c'est clair? N'a tout du mal à moi, est-ce que ça pour je demande encore, est-ce que c'est clair? Parce qu'aujourd'hui, on voit des anciens qui voyagent. Des anciens qui voyagent. C'est faux.
Et puis on tolère cela. Moi j'ai reçu un frère dont je connaissais que dans son assemblée, il était placé en qualité d'ancien. Je n'ai jamais appris qu'il avait un ministère d'Éphésien. Et Ayaké Panabiso. Et puis au salon chez moi, je causais avec lui. Et puis, Nathunier, mes frères, vous êtes ancien. Et je lui ai demandé, frère, vous êtes ancien? Ah oui. Alobi, iyo. Ah oui, frère, vous voulez que je parle quand même? Olingi est un aloba quand même. Oh, mais yo là, ancien. Mais toi, tu es ancien. Tu viens qu'on te donne la chair ici, papa. Non, seulement Natunaki Yoka Mutuna. Non, Natunaki Yoka Mutuna. Et après, j'appelle son berger. Si Manangona Bengi Mokengelina. Nabi, Tozan a frère Yao. Est-ce que là-bas, il est prédicateur? Nous avons les frères ici. Est-ce que là, prédicateur en tant que Yéphésien. Est-ce que là, chez vous, il est prédicateur en parce tant que un ancien aussi, on peut l'appeler prédicateur. Mais il n'a pas un appel aux cinq ministères. Il a reçu l'appel de rester là où il est. D'être évêque. Ancien. Point très. Alors, il dit non, mais passer n'est pas non, mais c'est. Ce sont des anciens de cette église. Il n'est pas seul ancien. Ils sont nombreux. Ah bien. Okay. Et ça, il a étiqué, frère. Et cela a dérangé le frère. Étiqué. Il a demandé la chair. Asenga qui chair. Non, mais je voulais seulement savoir. Mais il m'avait demandé la chair. Zokanda senga qui est atteya. C'est pas correct. Eza malamute. Et puis aujourd'hui, on t'établit ancien. Pe lelo yo batie yo mpaka. Dobina tongo. Dobina tongo. Deve le matin. Olamuki kaka boye. Oh, na tipe ministère zima ya kutia ngansi. Oh, je viens d'avoir le ministère après. On dirait ancien za ministère te. Ancien pe za ministère. Mais l'ancien aussi c'est un ministère. Mais c'est un ministère local. Mais c'est un ministère local. Yakoyanga namboka. Même diagre, c'est un ministère. Mais c'est un ministère local. Tu ne peux pas être diagre partout. De la même manière, tu ne peux pas être évêque partout. Mais frère Franck a reçu le mandat. La commission d'envoi d'aller de ville en ville. Il y a des villes en ville. Et des anciens, il y a aussi cinq ministères. Il faut pébouiller Bakayango. Vous devez aussi connaître ça. Entre frère Franck, anciens, il y a chaque assemblée locale. Et les anciens de chaque assemblée locale. Il y a un autre groupe de gens. Il y a cinq ministères. Ils sont appelés cinq ministères. Frère Israël Azrakawate. Frère Israël n'est pas ici. Frère Ndombe Azrakawate. Frère Ndombe n'est pas ici. Mais Baza Basali Nakatia Ephésien. Mais ils sont serviteurs dans l'Ephésien. Bazali Kokutama parmi des anciens de leurs églises. Même s'ils sont parmi les anciens de leurs églises. Mais ils sont établis là en tant que des bergers. Voyez frère, des bergers. Et en voyageant,
ils peuvent exercer leur ministère ailleurs. Mais oui, il y a bien un mari qui a contacté la Bakrité. Il y a un Timothée. Natite. C'est lui qui est appelé. Mais il a bien un ministère qui faisait. Il n'a pas voyagé. Parce qu'il y a aussi une confusion. Le seul qui a reçu l'appel d'aller de ville en ville et de ville en ville, de nation en nation, c'est seulement frère Franck. Ça, nous le disons avec haute voix. Amen. Ça, nous le disons, il a reçu cela. Lui a reçu cela. Mais il y en a aussi d'autres mandats. Pas pour comparer cela avec celui de frère Franck. Parce que vous n'y arriverez jamais. Des Éphésiens chapitre, de ministère d'Éphésiens chapitre 4, 11, et 1 Corinthiens 12, 28, ne se limite pas seulement dans une assemblée locale. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Et qui attaquent des frères qui voyagent. Pourquoi tu as voyagé? Tu as quitté ta ville? Pourquoi? Tu es venu dans notre ville? Mais celui qui a reçu cela, ce serait mon frère Franck. C'est faux et archi faux. Je vous dis encore faux et archi faux. Dans des mêmes assemblées que Paul voyageait, que Paul enseignait, que Paul prêchait, Timothée pouvait aussi aller là-bas. Tite la même chose. Silas la même chose. Est-ce que vous suivez très bien? Je dis bien. Ba ville, ba ville, ton assemblée, il écoute ma vie à Bingumba. Qui s'est trouvé dans des villes. Paul a zaki koteya. Là où Paul prêchait. Timothée peut abonner au table de Bingumba bina. Timothée aussi. Tite peut na Bingumba yango. Silas peut encore kokene na Bingumba yango. Silas aussi pareil. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Mais personne d'entre eux n'a évangélisé plus que Paul. N'a voyagé plus que Paul. Parce que chacun avait la limite de sa rayon d'action ou son rayon d'action. Son champ d'action. Voilà. Chacun avait son limite. Parce que c'est Dieu qui utilise ses serviteurs. Il ne faut pas aller dans un lieu où lui-même n'ira pas. Jésus, quand il était ici sur la terre, il a envoyé les disciples dans des villes qu'il devait lui-même aller. Voilà! Ce n'est pas des prédicateurs qui programmaient des voyages. Mais c'est Jésus qui proclamait leur voyage. C'est lui qui les envoyait. Qui mettait en eux l'urgent. Quand il voyait qu'il y a un besoin quelque part, il mettait l'urgence dans ses serviteurs. Et il les envoyait là-bas. Ce n'est pas aux serviteurs de demander à Dieu. Maintenant, bon, je vais m'y rendre dans un tel endroit. Alors je t'invite pour que tu m'accompagnes. Non! Non! Et encore non! Ce sont des gens qui créent des problèmes. Qui apportent leur propre version du message.
qui troublent les fidèles, qui amènent des fausses doctrines et des interprétations. Et vous le reconnaîtrez à l'heure. Je pense que les Facebook aujourd'hui mandats parce que nous avons entendu qu'il y a beaucoup de mandats. Mais nous aussi, vous avez déjà entendu qu'il n'y a pas qu'un seul mandat. Vous en avez déjà entendu ici. Il n'y a pas qu'un seul mandat. Je vous ai donné même des exemples. Que aujourd'hui, dans le Congo démocratique, les Congolais ont donné à Félix Tshilombo Tshisekedi mandat il y a 5 ans. Mandat il y a 5 ans. Pour qu'il soit président de ce pays. Le premier citoyen de ce pays. Le premier citoyen, mon amboka. Voyez frère, c'était mandat. Mais nous avons aussi les sénateurs. Mais tu as vu les sénateurs. La chambre haute. Toi, tu as fait basu ya bango mandat. Mais ça mandat ya koko maté président, il y a République. Ce n'est pas le mandat. Mais mandat ya koza la ba sénateur. Mais le mandat d'être sénateur. Tout ça dans la chambre basse. Nous avons aussi la chambre basse. Parlement au des aliawa. Oyo ezaliawa. Le parlement qui est na commune ya Lingwala. Na commune de Lingwala. Voyez frère, tous huit ba parlementaires bazawana. Nous avons aussi les parlementaires. Oh, bien ngaba député. C'est aussi un autre mandat. Et aussi c'est un autre mandat. De 5 ans. De 5 ans. Mais pour nanini ya en tout cas, nous avons vraiment. Mais pour regardez ce que Dieu a fait. Regardons ce que Dieu a fait. Dieu a choisi des choses de néant. Des choses qui ne sont même pas. Pour qu'elles soient là. Aux yeux du monde, il y a des choses qui sont là. Mais il y a des choses qui sont c'est ça. Vous pensez qu'à l'époque de Jésus, pendant le jour de sa chair, s'occuper des affaires. Ayebi. Kokamba makambu na ye. Il sait s'occuper de ses affaires. Frère Branham a dit, regardez quand Jésus a poné a choisi le 12. Ou disons, ses apôtres. Il n'a pas jeté le regard pour prendre Caïfa et prendre Hérode et prendre. Non! Des hommes ordinaires. Des hommes simples. Des hommes qui n'étaient rien. Rien du tout. C'est même des pêcheurs comme ça. Voyez frère. Batoyo bambembele eko swa bango bangungi eko swa bango. Je ndi akeko pora batu ya ndenge wana. Il est allé choisir de telles personnes. Pe a confié moko même ba clé. Le premier alobi ma clé yango. Et il a confié même à Boko banda ko fungola ka. Il va commencer à ouvrir. Soko motori nyako talolo fungolie. Si quelqu'un veut entrer au ciel, tu ouvres pour lui. Voyez frère, c'est Dieu, dans sa sagesse, et Dieu est incompréhensible. Notre bien-aimé frère Israël nous a lu ici, cette écriture qui est devant mes yeux, dont Paul s'écriait, oh profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Quelle profondeur!
de sa richesse, de sa sagesse et de sa connaissance, son intelligence, sa science. Voyez frère, si tu viens ici, dans Esaïe, chapitre, je crois, 40, nous lisons ceci, les enfants de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Esaïe 40. Il dit ceci. Il dit. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Regardez ce que tu dis. C'est la même personne. Jacob ou Israël? C'est le même nom. Kombo ya mutuka kamoko. C'est le nom d'une même personne. Voilà. Pourquoi tu dis? Ma destinée est cachée devant Yahvé. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi tu te poses de telles questions? Dans ton esprit, dans ta pensée. Alors Dieu lui pose la question. Ne l'as-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? La première question. Ne le sais-tu pas? Toi, Jacob. Toi, croyant. Toi, élu de Dieu. Toi, fidèle. Ne le sais-tu pas, toi? Ne l'as-tu pas appris? Qui suis-je? Et il dit, c'est le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Yahvé. Qui a créé les extrémités de la terre. Toi. Yo. Ne l'as-tu pas appris? Yo, yo, kola ki angote. Que Yahvé. Il ne se fatigue point. Yale mbakate. Il ne se lasse point. Mais regardez une chose. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. C'est pourquoi l'apôtre s'est écrié. Oh, profondeur. Oh, bozindo. Profondeur. Bozindo. De la richesse. Ya bozui. De la sagesse, de l'intelligence. Voyez frère, on ne peut sonder cela. C'est insondable. Oui frère, c'est comme ça. Regardez ce que l'Éternel fait. Comme lui-même ne se fatigue point et ne se lasse point, il lui donne de la force à celui qui est fatigué. C'est celui qui ne se fatigue point. Il donne la force à celui qui se fatigue. Et c'est pourquoi il nous a lancé l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et encore de la force. Pour continuer dans un autre domaine. Vous êtes fatigué là-bas du péché. Et je vous donnerai de la force afin de travailler pour Dieu. Voyez-vous cela? Je vous rendrai capable de toute bonne œuvre. Je vous rendrai capable de toute bonne œuvre. Parce que vous êtes fatigué de vos mauvaises œuvres. Alors venez vous toucher à moi.
je vous donnerai maintenant la force, la capacité d'être capable à pratiquer de bonnes œuvres, de bonnes œuvres de la foi. Oui, donne de la force à celui qui est fatigué. Regardez ce qu'il fait. Les fatigables, ce qu'il fait. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui, à Saint-Juif. À Saint-Juif, on a le cachet, à comme une défaillance. À tomber le col évanoui. Il est tombé comme évanoui. Et lui, Dieu, qui ne se lasse point, il augmente le vigueur. Est-ce que vous appelez? Est-ce clair? Parmi nous, quatre nabiso. Nani alembi dans la foi. Qui est fatigué? Qui se sent comme s'il est fatigué dans la foi? Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Qui nous bénisse? Nous qui sentons comme si nous sommes fatigués. Alors, ne te tourmente pas. Parce qu'il est là. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. La vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et recevez cela au moyen de sa parole. Croyez-vous cela? Et en croyant, vous verrez la gloire de Dieu. C'est comme ça. Regardez ce qu'il fait. Oui. Quand on voit aujourd'hui, même à notre temps, à cause de l'Internet, des films pornographiques, beaucoup de choses, les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais il y a quelqu'un qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point. Et regardez, et les jeunes hommes chancèlent, ils sont ébranlés, ils chancèlent. Mais regardez, mais il y a une voix, il y a un secret. Et voici le secret. Confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en lui. Dans sa parole, dans son message, dans sa puissance, dans sa vigueur, dans sa force. Pourquoi? Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Maintenant, en renouvelant leur force, ils prennent leur vol. Ils prennent leur vol comme les aigles. Amen. Il court dans la carrière qui nous est ouverte. Il court comme des athlètes et ne se lasse point. Et quand il marche, comme des pèlerins, comme des voyageurs, et ne se fatigue point, leur marche dans la foi, en marchant avec le Seigneur, il ne se fatigue point. Croyez-vous cela? Parce qu'ils ont mis leur confiance en Yahvé. Et Yahvé a renouvelé leur force. Mais il leur a donné la vigueur. Croyez-vous cela? Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. C'est comme ça.
Voyez-vous? Nous ne croyons pas à autre chose. Maintenant, Sika, mais Dieu que nous avons crié, c'est un Dieu qui ne ment point. Non, il ne ment point. C'est pourquoi lorsque Paul a vu ces choses, il n'avait pas autre chose à dire. Oh! Profondeur! Ozindo! Je vous ai toujours dit que modèles. Oh, profondeur de la sagesse. Oh, bozindo yang bwanya. Oh, profondeur de la richesse. Oh, bozindo ya bozui. C'est là où le grâce infinie ne comprend pas. Ezali wanande bato ya ngolu ezangi suka bako sosolate. Voyez, frère. Bomoni bandeko. Il pense que la grâce de Dieu est infinie. Badaliko kanisa ete ngolu na nzambe ezangi suka. Non, 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 la grâce de Dieu a commencé. Non, aïe, un commencement. Et aura aussi une fin. La grâce de Dieu, c'est dans l'espace d'un temps. Autant de la grâce. S'il est sorti de sa propre bouche, il dit au temps de la grâce. Mais pourquoi vous prêchez que la grâce est infinie? Mais la grâce, c'est un agati à temps. Temps et bandaka, tape soukaka. Mais le temps commence, le temps. Ils ont des temps, il y a grâce. Parce que temps, mon soussou, et koya, et kozola, il y a grâce, et soussouté. Parce que notre temps viendra, qu'il ne sera pas de grâce. Vous ne comprenez pas son langage. Parce que vous ne croyez pas à sa parole. Et vous ne pouvez comprendre son langage. Parce que vous ne croyez pas sa parole. Au temps de la grâce. Sa parole dit en tant que Yangolou. La grâce est infinie. Et toi tu dis la grâce est infinie. Non. Té. Non et encore non. Répétez les sous-sous. Et maintenant la Kisabino même les dernières prières de croyants, des saints. Je peux même vous montrer les dernières prières des saints. Là où c'est écrit que tango mwanje akoyama banje bakoyama mabonde liwana masuka. Là où c'est écrit que kouta na basanzu ana mabere. Mbende ya ngolu ya kubongwana. Le tronc de grâce. Eko koma mbende ya kanda na nzambe. Ya nkele na nzambe. La colère de Dieu. Kala yangoyo. Regardez ça. Voilà. Regarde. Après le chapitre 8. Et moi, je lis mon capoya mwambe. Verset 1. De la côte en quand il ouvrit le septième sceau. Wana et fungola qui est. Et le moya. Motoba. Septième. C'est Asambo. Quand il ouvrit le septième sceau. Wana et fungola qui est le moya Asambo. Dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Nous n'avons rien interprété ici. Mais le septième jour ne s'arrête pas à un seul verset. Mais on doit continuer à lire. Les gens ne savent pas que l'Israël est scellé des livres. Les sceaux scellés, les livres. Tout ce qu'on a nous venions de lire. Mon Dieu, digne, il y a quoi livre? C'est celui qui est digne de prendre le livre. Il y a quoi bilimbo, il y a livre. Il a brisé les sceaux. C'est le mal agneau. Pourquoi balobi que ma sceau sept est banni qu'on scellé livre? Pourquoi on dit que les sept sceaux scellés les livres? Parce que dans la carte, dans le livre, il y a un gomai jari. C'est parce que dans le livre, il y a les écrits. Donc chaque sceau est écrit dans ce livre-là. Chaque sceau est écrit dans ce livre. Mais pourquoi nous sommes sur la terre? Mais pourquoi vous ne comprenez pas?
Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, pas qui disait comme d'une voix de sept tonnerres. Non, comme d'une voix d'un seul, de tonnerre, un seul, au singulier. Il n'y a pas de sept ici. Écoutons ce qui est là. Ce qu'il a entendu. J'entendis l'un de quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Viens! Yaka! Ah oui, c'est tonnerre. Ici, il n'y a pas de cet tonnerre. Vous voyez, frère, vous savez, l'être tonnerre, c'est la voix de Dieu. Un branamiste va vous dire, commence à dire, voyez, frère, c'est tonnerre, tonnerre. Mais nous le savons, mais par quelles circonstances? Dans quelles circonstances? L'être tonnerre, écoutez-le quand? L'être tonnerre, vendre des camps. Vous voyez? Mais ici, c'est comme dans Jean 12. Ah ouais, le fils y a dit, Père glorifie le fils. Tata, comment ça, moi? Vous voyez, frère? Vous voyez, Bandeko? Et Bibeli, au Bazagouana? Et plusieurs qui étaient là? Bah, yo, kake, le moko. Ils ont entendu une chose. Donc, tu y a kake, moko. Le bruit d'un tonnerre. Vous voyez, frère? Et donc, Isaac est caqueté. Alors qu'il n'était pas le Isaac est tata, kokoumi samouane. C'était le père glorifiant le fils. Vous devrez connaître ces choses. Isaac Yabino. C'est pour vous. Tala. Regardez. Apocalypse 12. Apocalypse, Zéago Tanga Zomi Nami Bale. Mokapo, Mokapo. Ah, Mokapo Zomi Nami Bale. Mokapo Zomi Nami Bale. Totangi Boy. Nous lisons ceci. Omone. Voyez-vous? Verset 32. Nous pouvons commencer même au verset. Maintenant, il y a le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas ailleurs, mais à moi seul. Et quand il a parlé ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il prophétisait sa mort. Vous voyez, frère? Il devait mourir sur la croix. Mais pour qu'il meure d'une telle mort, il a fallu qu'il soit élevé. Pour être crucifié. Il faut atombouama. Que les pieds soient touchés l'eau la terre, mais entre cieux et la terre. Mais qu'il soit suspendu entre cieux et la terre. Alléluia. Est-ce que ça pour l'aider? Est-ce clair? Et il dit ceci, c'est à ce moment-là qu'il attirerait tous les hommes à lui. Et les gens ne voyaient pas comment Jésus à la croix a ouvert ses bras. Parce qu'il nous a tirés à lui. C'est pas
tous venez à moi. Je vais vous accueillir. Est-ce que ça pour le est-ce clair? Mais c'est toujours demandé nos lingues l'on. C'est comme cela que nous croyons. Oh, banda banza. Oh, enfant de Dieu. Maintenant, en parlant ainsi, si, il m'indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment donc dis-tu? Il lui faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais on comprit. Que, en tout cas, Aninga l'obaliwa. Parce que le Fils demeure éternellement, donc il ne mourra point. Qui est ce Fils de l'homme? Nani yango mwana yango na moto. Mwana yango na moto yoko lobela wana ezande nani lobela. Le Fils de l'homme à qui tu parles, c'est qui? Dites-nous. Et ainsi de suite. Bongo na bongo. Attendez. Tozela. Tozela. Voilà. Oui. C'est ici, non? C'est allé à Wate? C'est ici. C'est allé à Wate? Voilà. C'est en haut. C'est allé à Kolo. En haut. C'est allé à Kolo. En haut. Du Kolo. Il dit ceci. Allo, biboy. Verset 28. Verset 28. Verset 28. Père, Tata, glorifie ton nom. Kembi san kombo na yo. Et bah tu vas éviter kombo ya Tata. Et les gens ne savent pas le nom de père. Et zande yango wana kombo ya mwana. Et c'est cela le nom du fils. C'est le même nom. Je vais connaître ton nom à mes frères, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Voilà, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez point. C'est comme cela que nous croyons. Donc, le nom de Dieu le Père, c'est Jésus. Et vous verrez que dans ce nom, Yahshua. Et comment vous avez dit il est écrit là-bas des choses. Yahvé. Sauveur. Obikisi. C'est lui. Ezaliye. C'est le nom du Père. Ezali kombo na tata. Et il dit, Père, glorifie ton nom. Nous ne venons pas ici pour glorifier le nom de Frère Branham. Nous ne venons pas ici pour glorifier le nom de Frère Branham. Ni non plus le nom de Frère Franck. Ou de Frère Lilanga. Et non plus le nom de Frère Kalonji. Non. Mais seulement un seul et l'unique nom. Le nom du Père, qui est aussi du Fils et du Saint-Esprit. Croyez-vous cela? C'est ce nom-là. C'est ce nom-là que nous glorifions ici. Même quand nous recevons le Saint-Esprit, même lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans le croyant, tu as glorifié ce nom-là, tu as glorifié Jésus-Christ. Quand le Consolateur sera venu, il me glorifiera. Il ne glorifiera jamais un prophète. Mais tu as me glorifié, moi, Jésus, le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu qui ôte vos péchés. Amen. Il dit, Père, glorifie ton nom. Écoutez. Ne cause pas avec ton enfant. Parce que tu es en train de causer avec Dieu.
Et une voix vint du ciel. La voix ne montait pas de la terre. Non, ne venait pas de la terre. La voix vint du ciel. C'est le Père qui répondait. Je l'ai glorifié. Paillé. Il faut comprendre le sujet de sa demande. Voyez, Poya, au Sosora Iyano. Père, Tata, glorifie ton nom. Kemisa kombona yo. Voilà. Et le Père répond, Tata, une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié. Na kumisa ki yango. C'est terminé. Sili. Et même aujourd'hui, ce qui fait que les gens prennent, soient baptisés à la manière des Juifs. C'est-à-dire en évoquant Yahshua Amashia, ils n'ont rien compris. Parce que dans notre temps, Dieu a glorifié le nom de Jésus par des signes, des prodiges et des miracles par le ministère de Frère Branham. Croyez-vous cela? Et c'est comme ça que nous croyons. Et frère Franck disait, je crois que frère Israël est témoin. On lui a posé cette question. Il a dit, si vous voulez discuter, allez discuter avec Dieu. Pas avec moi, mais avec Dieu. C'est Dieu qui a glorifié ce nom-là. Pointre. Frère Branham a vécu une expérience. Il a vu un phénomène. Phénomène appelé trois arcs-en-ciel. Et tous les trois arcs-en-ciel, il tanda mina moulungo a narikolo. A monango moko. Monamba moko. Monamba yamibale. Monamba yamisat. Troisième arcs-en-ciel. Et il regardait. Et puis monamba moko. Continue monamba yamibale. Nous croyons comme cela. Oui, frères et sœurs. C'est comme cela. Ce n'est pas autrement. Père, Tata, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Non pas de la terre. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Jusqu'à aujourd'hui. Il continue à glorifier ce nom-là. Croyez-vous cela? C'est en ce nom-là que l'épouse agit. Que des rachetés chassent des démons. Et aucune médiation entre les croyants et les démons.
et aucune compromission. Pas de compromis. Pas de compromis. Pas de négociation. Négociation mon côté. Nous ne négocions jamais avec des démons. Nous négocions jamais avec nous les démons. Nous avons reçu l'ordre de les chasser. Aucune négociation. Le temps de négociation est écoulé. C'est derrière. C'était avant la croix. Maintenant nous avons reçu l'autorité de les chasser, de les bouter dehors. Voyez-vous cela? De les bouter. Bango, les démons. De les bouter. De les chasser dehors. Ce qu'on remarque que dans un frère, il y a un démon qui demeure là-bas. Il faut le déloger. En utilisant ces noms-là de Jésus-Christ. Amen. Si tu vois dans une sœur un démon d'une fausse doctrine, tu peux aussi le chasser. Sors de ma sœur. Toi, démon de cette année, je t'ai dit ouvertement, allez, sors. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, sors. Et ne doutez point. Crois dans ton cœur. Et tu verras cela s'accomplir. Voyez-vous cela? Et si tu remarques dans un frère, dans une sœur, un démon de prostitution ou d'adultère, tu n'as qu'à chasser ces démons, même à l'absence du frère ou de la sœur, même toi-même dans un lieu secret, tu peux prier pour le frère ou pour la sœur en chassant un tel démon. Et tu verras que le frère ou la sœur sera délié. Tu seras franchi. Délivré de ces démons-là. Voyez-vous cela? Dieu lui donnera la vie. Il donnera la vie à ceux qui pêchent, à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Voyez-vous cela? Oui, frères et sœurs. Oui, dis maintenant. Tu n'as pas entendu que c'est déjà fait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore dans tous les âges, dans tous les temps. Je le glorifierai toujours même au jour de la Pentecôte, même avec les apôtres, avec toute l'Église. Mais à la fin de cet âge, ce nom sera de nouveau glorifié. L'épouse a un ministère. L'épouse a un ministère. Il aura elle aura un ministère à exercer. Voyez, frère, et ce ministère, tout exercer en moi en son nom. Nous allons l'exercer en son toujours nom. Toujours en son nom. Nous allons parler en son nom. Amen. Amen. Et le nom de Jésus, et le nom du Père, sera de nouveau glorifié. Et comme notre bien-aimé nous a lu les Écritures, tu as promis d'ébranler, non pas seulement la terre, encore j'ébranlerai la terre, encore j'ébranlerai non pas seulement la terre. Cela signifie j'ébranlerai la terre pour la seconde fois, et non pas seulement la terre, mais encore le ciel. Il a déjà ébranlé la terre autrefois. Et il dit encore une fois, je branlerai non pas seulement la terre, je branlerai encore la terre, je branlerai encore de nouveau la terre, mais je ne m'arrêterai pas seulement en ébranlant la terre, mais j'ajouterai encore les cieux. Les cieux aussi seront ébranlés.
Voyez, frère. Et ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas la pluie de la première et de l'arrière saison. Autant des apôtres, Dieu avait fait pleuvoir la pluie de la première saison. Mais il a promis de la restituer. On n'a jamais restitué quelque chose qui n'était pas là. Regardez ce livre. Ça m'appartient. Et si je le perdais aujourd'hui, je serais en train de le rechercher en attendant qu'on me le restitue. Celui qui m'a pris le livre n'a qu'à me le restituer. Voilà la restitution. Et ça, c'est là qu'on y a déjà. C'est la chose que tu avais déjà prise. Même la restitution de Job. Dieu lui avait restitué sa santé. C'est-à-dire son état de santé avant qu'il ne tombe malade. La guérison, c'est un rétablissement. C'est une restitution. C'est une restauration de ce qui était avant. Voyez-vous cela? Bisodozo ne mandé bongo. Et en rapport avec l'Église, ce que l'Église avait au commencement, qui a promis de la restituer. Tout ce que l'Église avait au commencement, il avait promis, avant que Jésus ne revienne, il va le restituer l'Église. Il va restituer l'Église ces choses. Et à Bongo. Et c'est comme ça. Nous nous croyons comme ça. Est-ce que ça pour l'élé? Est-ce clair? Est-ce que ça pour l'élé? Est-ce que c'est clair? Tolingite remplacement. Nous ne voulons pas le remplacement. Pas quitanisé la biso et l'autre côté. Nous ne voulons pas que nous remplacions les choses. Nous connaissons nos choses. Biloko ango ba comment on a testament. Nos choses sont écrites dans nous les testaments. Héritiers ya biloko wana. Nous sommes les héritiers de ces choses. Nous lukaka yango. Nous les recherchons. Satan a bébisa yango. Le diable Satan a détruit ça. Yango. Et il a confisqué Dieu ça. Dieu a promis une restauration. Zambala kaki bozongi. Une restauration. Au double. Et une restauration au double. Voyez, frère. Comme un Job. Bazongi sera qui est 1000 chameaux. Oh yo ya, zaka na ngoli boso. Nasi maye ko perdre. Bazongi sera qui est koto moga ba chameaux dans la boso. Bakamela koto yoko. Oh yo ya, joaka di boso. Pe ye ko kufa abungisi. Qu'il avait perdu. Bampate Nkoto, Oya Joaka di Boso, Abungisaka Yango Ikufa. C'était mort. Voyez, frère, Biloko Bisobina, toutes ces choses. Koto, 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 Jambe Azongiseli, Nano Ye Yango. Dieu lui a d'abord restitué. Koto Naoya Bakamera Mazwa. Les 1000 chameaux. Koto Naoya Bampate Mazwa. Les 1000 brebis. Mais tant que Azong Israël n'est pas là, Azong Bak Israël, Koto Yamibale, Koto Yamibale, Koto Yamibale, Obungi Saka combien? La Bungi Saka caméra en Koto Yoko. Alors, Azong Israël, Nano, oh, yo Bungi Saki, la Bak Israël, Koto Yalikolo. C'est une restitution au double. C'est une restitution au double. Donc, l'église a joué à mon ébandéli. C'est que l'église avait reçu. Et c'est la doctrine de Yabantoma. Et ça soit la doctrine des apôtres. Et c'est là que Zongi Samaleno d'abord. Devrait être d'abord restitué aujourd'hui. Vous voyez, frère. Vous voyez, mes frères. Nguyo Yobazaki Nango. La puissance qu'ils avaient. Oyobazo Benga pour lui de l'arrière saison. Qu'ils appelaient la première, de la première saison. Kobo Sanate Église. Ébandéli Mboula Ya. Ébandéli Yeranga. Et Nokeraka Bango. N'oublie pas que l'église, la pluie de la première saison était tombée sur eux. Et Nayangonde Église Ezaki est. Établi. Et c'est comme ça que l'église était établie. L'église des Zaki est établie. Lorsque l'église était établie. Il y a première saison. Et cette pluie
pluie de la première saison. Et Dieu a promis. Dans tango ya pluie ya dernière saison. Lors de la pluie de la dernière l'église saison. L'église est la rétablie. L'église sera rétablie. Mais n'entends pas la pluie de l'arrière saison. Et quand tombe la pluie de l'arrière saison, mais quand on a la pluie de restitution, c'est-à-dire la première saison, et Djongi Sami, et au même moment, à l'instant même, Baba Kiseli Bisho Yabiso Moko, Oyo Bantoma Banoke la te, Kaka Bisho, Bisho Tokonoke la Mboula Nabango. Nous aurons la pluie et notre pluie à nous. Croyez-vous cela? C'est pourquoi il est écrit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce clair? Puisque nous croyons ainsi. Mais avant cela, mais avant les deux pluies qui tomberont simultanément dans l'église, maintenant ceux qui naissent de nouveau reçoivent l'esprit d'adoption. Ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est seulement l'esprit d'adoption. Dans toute naissance, il faut que l'esprit entre. Dans un nouveau-né, il faut que l'esprit entre. Il faut que le souffle de vie entre en lui pour qu'il devienne une âme vivante. Voyez-vous cela? Et dans la nouvelle naissance, il lui fallait aussi que le Seigneur Jésus souffle. Il souffle sur les disciples en leur disant recevez le Saint-Esprit. C'est ce souffle-là, c'est cet esprit-là d'adoption qui nous entre pendant la nouvelle naissance, qui entre en nous afin que nous devenions des créatures vivantes par la vie éternelle qui doivent vivre éternellement, que nos âmes reçoivent la vie divine, la vie divine, la vie éternelle, et que nous soyons des participants de la nature divine. Croyez-vous cela? Nous devons grandir. Tout celui qui est né de nouveau a reçu l'esprit d'adoption. Je peux dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je peux aussi dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit en naissant de nouveau. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Mais quand Jésus lui-même souffla, il n'a pas dit que recevez mon esprit. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Je dois répéter, mon Seigneur. Il a dit que recevez le Saint-Esprit. Et celui qui croit qu'il naît de nouveau, reçois le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit en tant que l'esprit d'adoption. Avec l'esprit là, rend témoignage à son esprit qu'il est un enfant de Dieu et que lui-même ait la possibilité ou le pouvoir de crier à Dieu Abba Père. Abba Tata. Croyez-vous cela? Et il doit grandir. Et il doit grandir. Et quand il a atteint la maturité dans sa croissance spirituelle, dans la foi,
avec la foi pour fondement. Et au-dessus de la foi, la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et après tout, vient la pierre de fer. C'est la charité qui descend. C'est l'amour lui-même qui descend. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à être scellé. Voyez-vous cela? Nous nous croyons comme cela. Et par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous introduit dans le corps de Christ. Par la nouvelle naissance, nous y entrons dans l'Église. En étant nés là, nous ne sommes pas des adeptes. Non. Hey. Mais nous naissons dans l'Église. C'est par la naissance que nous sommes le membre de l'Église. Mais c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous occupons notre position. Esika, notre position. Voyez frère, notre héritage dans le corps de Christ. Que nous devenons des membres de l'épouse. Mais avant, nous étions les membres de l'Église. C'est par la nouvelle naissance. Et ensuite, quand nous grandissons, nous qui étions déjà des membres de l'Église et par la nouvelle naissance, il nous met dans l'édifice, dans l'épouse, dans le corps mystique de Jésus-Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Et nous entrons dans Cana. Et nous possédons chacun son héritage. Et il a donné aux uns comme des apôtres, aux autres comme des prophètes. Et les uns ont les dons de parler à l'homme, les autres de prophétiser. Voyez, frère, ça c'est dans le corps pour que nous possédions des meilleurs dons. Pas une Babylone de nouveau, là où les gens ne font que parler la langue et personne ne comprend ce qu'ils disent. C'est Babylone, c'est la confusion. Mais nous voulons quand quelqu'un, l'Esprit parle par lui, il faut que ça soit entendu, comme au jour de la Pentecôte. Voyez frère, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous préférons, c'est ce que nous désirons, nous aspirons à cela. Au meilleur don. Croyez-vous cela? Pas aux fabrications. Nous n'avons aucune machine de fabriquer des dons. Ni de fabriquer des ministères. Vous avez entendu ce que c'est dit aujourd'hui beaucoup. Beaucoup fabriquent des ministères. Et il dit qu'il est seulement ça parce qu'il l'a dit. Menteur, mensonge. Notre mensonge. Je ne peux pas dire que le koutana bang. Je ne peux pas dire que l'air mensonge. Le koutana y compris moi. Moi. Nous qui disons que nous sommes koutana biso. Mensonge à nous. Le koutana biso. Mensonge à nous. Parce que je dis que Dieu m'a appelé pour être berger. Je le suis parce que j'ai témoigné cela. Oh, les autres fabriquent des voix audibles. Beaucoup ne croient même pas au ministère de Frère Frank. Ils se prennent en qualité de qui? Bazali, Bango. Ils se prennent en qualité de qui? Donc, la banane. Voyez, frère. C'est les médisances pour rien. L'homme de Dieu dit ceci. En ce temps-ci,
Vous n'avez pas besoin de chercher à entendre la voix audible. Non! Non! Ne cherchez pas ça! Oubliez tout cela! Voyez, frère! Il y a quand même bateau, il y a quand même les gens qui ont entendu cette voix. Regardez, du temps de Moïse, c'était seulement Moïse. Et après lui, c'était Josué. Mais les Lévites, chacun des Lévites n'entendait pas la voix audible, papa. Pourquoi vous voulez fabriquer des choses? Vous êtes des impressionnistes. Vous voulez impressionner qui? Voyez, frère. C'est ça. Il ne faut pas prêter oreille dans de telles prétentions. Nous nous écoutons la voix autorisée. Nous trouvons la frère Branham. Olélona, c'est ma frère Branham. C'est une voix autorisée. Quelqu'un comme frère Branham, aujourd'hui après frère Branham, c'est la voix autorisée. Toi, tu ne peux pas comprendre les prédications de frère Branham, collègue frère Franck. Mais toi, tu ne peux pas comprendre les prédications de frère Branham plus que frère Franck. Moi, je peux nous dire ceci. S'il y a quelqu'un dans le monde qui a compris la Bible dans notre temps, c'est frère Branham. C'est frère Branham. Dites amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Bora Robert, Babili Grand, ils n'ont rien compris la Bible. Ils n'ont rien compris de la Bible. Regardez ce que Bora et Robert dit. Non, Tommy Osborne. Tommy Osborne. Il dit que le livre de vie de l'agneau, le nom, il commence à nini. Tango un prédicateur, il a prêché. Derrière lui, à côté de ce prédicateur, il y a un ange. Qui écrit les noms avec un livre. Quand toi tu crois à la prédication du prédicateur, de l'évangéliste, l'ange t'écrit ton nom sur le livre. Il a eu ça où? C'était un maçon. La Bible, au contraire, déclare que Non, ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant même la fondation du monde. Mais celui qui a compris cela, qui a reçu la révélation de cela, en notre temps, c'est notre bien-aimé frère William Marion Branham. Voyez, frère. Toi, frère Branham. Laissons frère Branham. Toi, yéna, frère Franck. Venons chez frère Franck. Après frère Branham. Après frère Franck. Après que la Bible a été ouverte. Si ma été Bible après est que le livre scellé a été ouvert. Si ma été le mystère scellé. Qui scellé le livre. Brisé. Le livre lui-même ouvert. Le mystère écrit. Révélé. Et il nous a donné en tant qu'héritage la parole révélée. Après lui, après William Branham, ce n'était pas sa parole, ce n'était pas nobli son livre. Lui n'a pas brisé le sceau, il n'a pas nobli ouvert le livre. Tout cela, c'était l'agneau. C'est l'agneau qui faisait tout cela. Il n'a même pas essayé de révéler un mystère, frère Branham. Il ne connaissait aucun mystère. Mais c'est l'agneau qui lui a révélé. Croyez-vous cela? C'est ce que nous croyons. Frère Branham n'a jamais dit, tout cela, je le connaissais. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je ne le connaissais pas. J'allais commettre une fatale erreur. Si aujourd'hui,
dans ma chambre, l'ange n'était pas entré pour me corriger, pour me donner la révélation du premier saut. Voyez, frère, il ne prétendait pas de connaître tout, de tout savoir avant. Il appelait son livre, son vieux livre, que mon livre ici, ma Bible ici, mon vieux livre, ma vieille Bible, aujourd'hui est devenue une nouvelle Bible. Les choses que je lisais, dont je ne comprenais même pas, Dieu me les a révélées. Aujourd'hui, je les comprends bien. Quand je lis mon vieux livre, je peux comprendre ce qui est écrit ici par la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Et cela est juste. Parce que Frère Branham avait un ministère comme celui de Paul. Et Paul dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et aussi, oui, Amos dit, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans d'abord te voiler, sans d'abord ouvert, sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est Dieu qui révèle. Cacherai-je Abraham? Cacherai-je Nakobomba? Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Non, je ne peux pas lui cacher. Parce que Abraham, j'ai fait de lui mon prophète. Et mon ordre, ma loi, c'est de révéler d'abord mon secret à mes serviteurs, le prophète. Et voici maintenant, j'en ai un. C'est Abraham ici. Je dois lui révéler ce que je vais faire. Voyez-vous cela? Oui, balinga mikati d'ankolo. C'est comme cela. Du robalianza. La parole de Dieu. Notre Dieu est Dieu bon. Abongina kembo abongina lokum. Il mérite la gloire, mais tu musu akozo lokum te. Personne ne te peut prendre. Même si on joue un ministère. Même si tu as reçu un ministère. Bible, écoute ce que dit la Bible. Bato bazai ko exercer un ministère. Bali ko mikumisa. Les gens qui exercent un ministère veulent se glorifier. Bali ba benga bango ba pasteur. Ils veulent qu'on les appelle des pasteurs. Bakimi bango nyonso balobi pasteur et za penza biete catholique ndé ajouta ki yango. Ils ont fouillé tous que les pasteurs, ce n'est plus bon, c'est les catholiques qui ont ajouté ça. Alors, mais il faut tout dire qu'il y a des hébreux, c'est-à-dire bergers. Il faut maintenant que nous rentrons comme les hébreux. Comme les pasteurs, c'est bien un berger. Même berger, ils ont comme un ayoté. Même berger, ce n'est pas ton nom. Ah, en assemblée d'Abisso, nous n'avons qu'un seul frère qui s'appelle berger. Ici, dans notre église, nous n'avons qu'un seul frère qui s'appelle berger. Berger. Hazard. Berger. Hazard, qui est Hazard, berger Yaka. Il n'est pas venu aujourd'hui. Aya quitté. Et ça, c'est mon souhait, il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de lui. Peut-être son homonyme. Voyez. Ouais. Moi, je ne m'appelle pas berger. Moi, je ne m'appelle pas berger. Je m'appelle Joseph Lilangalanga. Je m'appelle Joseph Lilangalanga. C'est là mon nom. Wana de Komborangai. Le nom de mon père, c'est mon nom. Kombo ya Tatanangai de Komborangai. Lilanga. Lilanga. Joseph. Joseph. C'est ça. C'est ça. Frère Lilanga. De Kolilanga. Frère Joseph. Dès que Joseph. C'est comme ça. Et d'abord, pourquoi on met ça dans l'angle? Habituez-vous comme ça. Mais c'est depuis Kabalo. Où t'as Kabalo? J'avais démissionné de ce nom-là. C'est oui, bien, c'est vous vous souvenez de cela? On démissionnait dans Kombouane qui pasteur. Dans tout le regard, n'attendez pas à battre. Il y a beaucoup de prédicateurs ici. J'avais tourné mon regard mais vers si les prédicateurs. J'ai dit qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Si quelqu'un veut qu'on l'appelle il ici, a perdu son lien avec Dieu. Il a perdu son lien avec Dieu. Il a perdu cela. Abongisi yango. Celui qui fait, qui se fait appeler cela. Oh, il a commis bien à Bongo. Il a perdu son lien avec Dieu. Abongisi boyokana na ye na Nzambe.
Il est classé parmi les dignitaires. Il est les dignitaires. Regardez ici. Écoutez. Dans le sixième saut, je regardais quand il ouvrit le sixième saut. J'ai regardé Natal qui va les draguer au fond. Il y a eu un grand tremblement de terre. Apocalypse 6, verset 12. Apocalypse 6, 12. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira se retira comme un livre qu'on roule. Oui, comme un rouleau. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Remuées. Voyez, frère, le roi de la terre, qu'il voyage comme il voyage dans des avions et tourmentant la population partout. Ils verront ce leur jour. Il dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, hein? Les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachèrent. Voyez, frère, dans des cavernes et dans les rochers des montagnes. Oh, frères et sœurs, ici, à la place des grands, frère Franck, lui, lit comme les dignitaires. Les grands, les dignitaires. Voyez, frère, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, au lieu de s'adresser au Créateur, à Dieu, mais ils s'adresseront aux montagnes et aux rochers et tomber sur nous et cacher-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau, l'agneau se mettra en colère. Se mettra. A komitia. Katinankele na kanda na ye. Na fureur na yako silika. A kotika na kaka nyote. Il ne restera pas seulement l'agneau. Pourquoi? Bonanine. J'en dis car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Azate. Mosuzo Azate. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Ezalabongo. Bisotozon demande motindo mona. C'est comme cela que nous. Et colère wana yango yawa. Et cette colère là la voilà. Au chapitre 8 verset 1. Au chapitre quand 8, verset il ouvrit le septième sceau. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je dis ceci. Chaque sceau. Il faut kotanga yango. Sengeli kotanga yango. Denge bakoma. Comme c'est écrit. Premier saut, il y a un chapitre 6, verset 1. Premier saut, c'est au chapitre 6, verset 1. Et ce qui na verset 2. Ça s'arrête au verset 2. Deuxième saut. Le deuxième saut. Dans chapitre 6, verset 3. Chapitre 6, verset 3. Et ce qui na verset 4. Et ça, c'était au verset 4. Troisième saut. Troisième saut. Et bandit na verset 5. Commence au verset 5. Et ce qui na verset 6. Et se termine au verset 6. Nous sommes comme tout est écrit, les choses sont écrites là. Quatrième saut. Quatrième saut. Et bandit dans verset 7. Commence au verset 7. Peu et souris dans verset 8. Et se termine au verset 8. Maintenant, cinquième saut. Si Kao, soit à Mitano.
Et bandit dans verset 9. Commence au verset 9. Et souki dans verset 11. Et se termine au verset 11. Maintenant, sixième saut. Maintenant, sixième saut. Bandit dans verset 12. Commence au verset 12. Et souki dans verset 17. Et se termine au verset 17. C'est le saut le plus long. C'est le saut le plus long. Et le Kimolaï. Avant cinq premiers. Yambona mitano ici koleka. Mais tu reçois ça, il y a des gens qui sont sur les lignes. Mais nous aurons un autre saut. Nous sommes sur les alliés, les alakandés, 7. Ah ouais, il faut voir Mikaka, 6. Ici, on a brisé seulement 6. Bon. Tu combien on a chapitre 8? Nous arrivons au chapitre 8. Mais au 7e, il y a des litigieux. Nous trouvons maintenant le 7e qui reste derrière. Quand il ouvre le 7e saut. Ouais, les fungora qui est, le boya sambo. Et là, quand il y a des litigieux, c'est que j'ai entendu premièrement. Dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Tous les sons ont reçu beaucoup de versets. Mais comment tu peux dire que le septième son est un verset? Maintenant, les choses qui viennent après ici sont des versets. Les deuxième verset, c'est pour quel son? Mais Esaïe Kolanda, il y a premier verset. Il y a même son. Le septième. Ça vient après le premier verset du même septième saut. La première chose qu'il a vue au ciel, oh, yeah, yokaki, il a entendu. Il a qui demi-heure et silence. Il a qui demi-heure et silence. Mais qu'est-ce qu'il a vu après? J'ai vu les sept anges. La monaki mange sambo. Et il y a septième saut. C'est toujours dans le septième saut. Qui se tiennent devant Dieu. Bah, à côté de Maliboso Nzambe. Et cette trompette leur furent donnée. Peba trompette sambo pesa mera kibango. Bakero sambo pesa mera makibango. Bakero sambo pesa mera kibango. Un autre ange vint. Peba moi je mususu ayaki. Nyosho nezekaka nakati ya septième saut. Tout ça c'est dans le septième saut. Et il s'éteint sur l'autel. Peba telema kire tumbelo. Ayant un encensoir d'or. Kozuaka encensoir d'or. Donc mpaka ya malasi ya wolo. Ah, kozuaka mpaka malasi ya wolo. On lui donna beaucoup de parfums. Beba pesa ki malasi ebele. Voyez. Afin qu'il les offre. Wete ya kabango. Avec les prières de tous les saints. Elongona ba mabondeli ya basanto nyoso. Passé awa. Basanto yo. Les alliés de 144 000. Les années de 144 000. Croyez-vous cela? Parce que oyezo ya tribulation. Topé na bandeli ya grande tribulation. Au début de la grande tribulation. Voyez frère. Moni bandeko. Avec les prières de tous les saints. Elongona mabondeli ya babula minyoso. Asabi yango wapi? Il les a offert où? Sur l'autel d'or. Na etumbelo ya wolo. Qui est devant le trône? Oye kuta mili boso na ngwende. Sur le même trône appelé de la grâce. Ah, maintenant, tu as dit que tu es là. Si tu es là, moi, je suis là. Ma bonne délouane, il y a un saint. Après que l'ange ait pris les prières des saints. Oh, il y a les dernières prières. Oh, écoute, mais tu es là. Ma bonne délouane. Oh, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il va écouter. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Les prières d'autres personnes ne vont plus le recevoir. Pourtant, il y a grâce et comme une affaire. Parce que le temps de la grâce est arrivé à la fin. Et c'est là qu'il n'y a pas de nation. C'est terminé chez les nations. C'était resté quand même dans le monde parce qu'Israël n'était pas encore appelé. Maintenant qu'Israël est dans les temps, de trois ans et demi. Et puis résultat, il y a prédication, il y a Moïse et Élie. Après le résultat de la prédication de Élie. 144 000. Et si ça produit les 144 000. Prédication, il y a un messager sambo, il y a un âge de l'église. La prédication de sept messagers de l'église. Et les morts en Christ. Ça produit les morts en Christ. Et les vivants en Christ. Et les vivants en Christ. Ensemble. Et longo. Maintenant, il commet un tour royal. Si quand il commet la table, les juifs, leur prière comme saint sont montés à l'autel. Écoutons ce qui va arriver. La Bible dit qui est devant le trône. C'était pour les offrir sur l'autel d'or qui est devant maintenant le trône. Maintenant, la fumée.
Femilinga, Molinga, des parfums, la malasi, monta, et butaki, avec les prières des saints, et l'on a ma bonne délire, ma boule, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir. Et si moi je accompagne, après avoir offert, il prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Les choses sont devenues bizarres. C'est vraiment maintenant troublé. Frère, mon frère, Njambe Asiriki, Dieu est fâché. Vous ne voyez pas. Quand quelqu'un s'est fâché, il peut prendre même la table. Il prend les assiettes, il jette. Ange, il y a un jour, 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 il y a grâce. Jour, il y a un 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 jour, la Bible dit, il a jeté la fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la mer. Et il y eut des voix des coups de tonnerre, Bankito, et des coups de tonnerre, Bankito, Yankake, Bankito, Yankake, et aussi des éclairs, Mikali, 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 et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avait les sept trompettes se préparait à en sonner. Voilà. L'ange qui reçoit les prières, c'était notre ange, il n'est pas parmi les sept. L'ange Moussous, il n'est pas parmi les sept. Bon, il y a un ange, il n'est pas parmi les sept. Les sept anges ont l'air adorés. Mon corps, c'est lui, l'autre qui est venu. Il est si venu pour prendre le yango, après les avoir offert, Akamatin Kenyango a tondu si bongo na moto yetumbelo. Et il a pris l'accessoire, il et a rempli avec le feu. Makalo ezagwana yetumbelo. C'est comme les breuses de feu. A juinyo so wana. Il a pris tout. A sopi yango. Et il a jeté. Bayi monana. Dans la mer. Et bois kamia wana babeli. Il a jeté sur la terre. Njambe asiriki sikoyo. Dieu est fâché. Yoko bondela. Toi, tu peux prier. Il va plus t'écouter. Que veut dire ceci? C'est Dieu qui met fin. Nathan, il y a grâce. Il y met fin. Le temps de la grâce s'arrête là. Point très. Et non, septième saut, même chapitre 7. Nous commençons le chapitre 7e saut. C'est toujours le 7e saut. C'est le saut le plus long. C'est le saut le plus long. Description Nango. Donc, tu n'as même pas cherché une révélation. Le contenu Nango est bien écrit. Yango yo, bien écrit. C'est pourquoi Frère Branham a comparé le 7e saut na fusée. Après une demi-heure de silence, Jacques, comme on a sept anges, et j'ai été Nimosus. Après Yango, on a un autre ange. Après Yango, Baboneli a basant de comme même les tombeaux. Les prières des après Yango. Il verra cet ange prendre le charbon et jeter sur la terre. Et bonga mbende yangoru et bongo ne komi
bende yankele yakanda. Le tronc de grâce après se transforme en tronc de colère. Babi bongisi po bayura bakelelo. Après les sept ans se prépare pour sonner la trompette. Nakati ya sambo ayuri ya yekelelo. Après cela le premier âge parmi les sept ans. Nyo soit des années nakati ya septième saut. Tout ça c'est dans le septième saut. Est-ce que ça bolele? Est-ce clair? C'est comme ça. Ezali bongo. Ezande motindo wana. C'est comme cela. Et comment na que? Et vous verrez que jusqu'au verset 21 à chapitre 9. Jusqu'au verset 21 du chapitre 9. Donc le septième saut lui-même. Septième saut est moko. Prend deux chapitres. Et comment tu vas chapitre omi balé? Le chapitre 8 et chapitre 9. Chapitre à moi, bébé, à Liboua. Et aussi, une partie du chapitre 11. Et de Nimoko et chapitre à Zomino. Tout ça, c'est le septième saut. Nyoso anakaka, septième saut. Voyez, frère. Boy, vous m'avez dit quoi? Ah, on a bref, je dis. C'était notre événement. Ezali, événement Moussousou. Jamoni. Moi, je me suis dit Jean a vu un autre ange descendre. Il descend avec un livre ouvert. Pourquoi? Parce que le temps où on a ouvert le livre, le kaki. Est déjà passé. C'était quel temps? C'est notre temps. Ne buku ezo funguama. Ma bomba mi ma komama mazo yebana. Les mystères écrits sont révélés. Siko yo nantango yo wana, moi j'ako kita. Na buku deja yako funguama. Avec un livre déjà ouvert. Deja yako kanga mate. Ce n'est plus fermé. Quand l'église est ici matin, na koneto lama. Parce que l'église est déjà enlevée. Et joami nantango wana dans la gloire. L'église se trouve dans la gloire. Si vous avez encore un côté qui dans la gloire, l'Okola Asnat est dans le palais, et Joseph Abimaki pas qu'on n'a pas bande konaye. Mais encore un côté qui ne sait pas y a bande konaye. C'est alors que le Seigneur viendra se révéler. Voyez-vous cela? Nde na verset 7 ya chapitre 10. C'est ainsi qu'au verset 7 du chapitre 10. Une partie à septième saut va annoncer en Wawa. Une partie du septième saut est annoncée ici. Mais qu'au jour de la foi du septième ange. Mais na mokolo ya koyula ya mwanje sambo. Na mikolo ya kolo ya mwanje sambo. Ya mongongo. Ya mongongo ya mwanje sambo. Au jour de la foi. Na mokolo. Mi. Na mikolo plutôt. Au jour de la foi. Na mikolo. Ya mongongo ango. La mongongo yango de la voix. Ah, kozoko tika kambakite. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Mais na mikolo ya mongongo yango ya mwanja sambo. Quand il sonnerait de la trompette. Wana ekoyula ye. Parce que motoba basi ba sonner. Parce que les six sont déjà sonnés. Oh ya sambonde a sonakite. Le septième n'avait pas encore sonné. Mais na mikolo yo ye na mongongo ya mikolo na na mikolo ya mongongo ya monjo ya sambo tango yako yula kelelo o ya yewana mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnera de la trompette le mystère de Dieu libomba miyango na s'accomplirait et koko kisama comme il l'a annoncé lokola sila kibongo kosakola yango à ses serviteurs na basali na les prophètes basakoli. Le mystère au singulier, libomba mina bomoko de Dieu. Ya nzambe. C'est celui dont Paul a écrit. Yango de Paul le mystère de la piété est grand. Libomba mina bonzambe zali monene. C'est dit, le mystère de Dieu est grand. Libomba yango ya libomba mina yango nzambe zali monene. Dieu a été manifesté en chair. Nzambe amimonisa kikati na mosuni. C'est ce grand mystère-là qui s'accomplirait. Comme il vient de s'accomplir maintenant à l'église, par le ministère, le ministère. Pas mystère, ministère. Par le ministère du septième ange. Du septième âge. Il y a l'écho. Il y a l'écho de l'église. Il y a l'ingomba.
Ce mystère de Dieu qui est grand est terminé. Maintenant, l'Église reconnaît que c'est Jésus qui est Dieu. Ce grand mystère de tous les temps, de tous les âges, est révélé à nous aujourd'hui. Mais les Juifs, ils n'ont pas eu une révélation de Yangote. Ils sont aveuglés. Jusqu'à ce que la totalité des nations, qui n'ont été mis en place, qui n'ont été mis en place, qui n'ont été mis en place, par la prédication de deux joints, deux prophètes et deux témoins, Moïse et Élie. Voyez frère, balinga bigati dans kolo. Bien aimé dans le Seigneur. Solo que pape a ils vont comprendre que le pape les avait trompés. Et aussi, Père Isusu, pour nous terminer ce grand mystère. Pour clôturer avec ce grand mystère. Et qu'aux Hollandais n'entendent Seigneur a goya qu'au régner. Ce sera à cet temps-là que le Seigneur viendra régner. Alors annoncer septième ange de trompette. Et on annonce le septième ange, le septième trompette. Mais cette écriture a une double signification. Mais l'écriture ici a une double signification. On peut l'appliquer par le septième ange de l'Église. Et on peut l'appliquer vraiment dans son originalité. Voyez, c'est-à-dire na banje sambo o ya lola. C'est-à-dire les sept anges des trompettes, s'ils sont déjà sonnés, un reste, on a annoncé que quand ils sont là, c'est alors que le mystère de Dieu, et que les Juifs sachent qu'ils sont là, qu'ils les voient même, ça va s'accomplir. Voyez-vous cela? On dit Miyango. Et Totangi, dans chapitre 11, verset 15. Et nous lisons au chapitre 11, verset 15. Si aussi une partie du septième saut. Et c'est la dernière partie du septième saut. Et puis, le septième ange. Moi, je rassemble. Sonnant de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde. Le royaume du monde. Voilà. Oh, yeah. Et Rémi. Et Zongisami. À notre Seigneur Nankolo Nabiso et à son Christ. Père Christ. Ici, c'est un mystère qui s'accomplit, qui se termine maintenant. Et vous verrez le grand mystère ici. Regardez ça. Ah, Balobi, ici on dit à notre le royaume, un seul royaume, un seul royaume. Le royaume du monde. Bokonzi Yamokili. Bokonzi Yango. Le royaume du monde. Bokonzi Yango Yamokili. Eremi. Ezongi Salami. Ah, à notre. Et pas à notre Seigneur. Et pas inankolo na biso. Et à son Christ. Pe nankolo na Christ. Ce qui t'osali addition. Ce qui t'osangi si. Bagoza la combien? Bagoza la boni. Deux. Dans notre vision de la manette, il y a témoin de Jéhovah. On peut voir qu'ils sont deux. Notre Seigneur. Et son Christ. Seigneur, Nabiso, ça n'a Christ naïe. Seigneur, n'a Christ naïe. Vous voyez, frère? Mais yoka mystère. Mais yoka libombami. Entre les lignes. Na katika tabandelo. Bon, je ne peux pas dire entre les lignes. Mystère sur la ligne. Entre les lignes, c'est seulement le blanc. Entre les lignes, rien n'est écrit. Amen. Le royaume du monde.
Bokonzi yango ya mokili. Eremi à notre Seigneur. Et à son Christ. Ben à Christ on a eu. Bon, écoutons maintenant le mystère. Toyo kasika wali bombayi. Et il régnera. Ben à Kokonza. Mais pas ni malobate que il régnera. Mais pas ni malobate que Bakokonza. Balobine et il régnera. Balobi et à Kokonza. Parce que oh, il a bien aimé à notre Seigneur. Bambate, c'est lui qui a le Christ. Le Christ. C'est lui là le Christ. Parce que c'est Jésus qui a été, qui est né. Aujourd'hui, Yeso ya botami. Yeso ya botami. Aujourd'hui, non. Pas c'est Jésus. Pas c'est Jésus. Car il vous est né. Car il vous est né. Aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur. Mobikisi. Un sauveur. Mobikisi. Mobikisi moko. Un sauveur. Mobikisi moko. Qui est le Seigneur. Kolo yango. Le Christ. Christ yango. Il est le Dieu. Il est le Seigneur et le Christ. C'est comme ça qu'il était né. Il était né Seigneur, il était né Christ. Il n'avait pas besoin d'attendre le jour de son baptême. Pour qu'il devienne Christ. Il était né Christ. Et Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ça c'est Luc chapitre 3. Luc chapitre 2, verset 11. Dans Acte chapitre 2, mais reconnaissez ceci, vous juifs, vous l'avez crucifié, mais reconnaissez ceci, le Jésus que vous avez pendu au bois, Jésus, yes. Que vous avez pendu au bois, que vous avez crucifié, que vous avez condamné, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Mais Dieu, lui, a fait de lui le Seigneur et le Christ. C'est ça, frère. Ça, c'est verset chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 36. Acte 2, verset 36. Je vous donne cette écriture, nous allons terminer. Moi, je n'aime pas celui qui provoque les écritures comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu va commencer à déverser. Laisse. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez ici. Il dit ceci. Il dit. Ah, la parole de Dieu. C'est vraiment bon. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Excusez-moi. Tout en un Éphésien, je crois que c'est Éphésien. Prenons d'abord Éphésien. La Bible. Yoka. Écoutez. Abiboué na verse. Il dit ceci au verset. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Et comme ça, comme des enfants bien-aimés. Il marchait dans l'amour. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous comme une offrande.
Likabo. Lokola likabo. Comme une offrande. Lokola likabo. Et un sacrifice de bonne odeur. Bembeka oyo ya solo kitoko. Alléluia. Kembo na Yahweh. Que la fornication. Dika ete kindumba. Pité, pité, ni aucune impureté, tombe bosso tomoko, ni la cupidité, tombe lokoso ya mosolo, ne soit pas même nommé parmi vous. Etangama te katikati na bino. Etangama atate katikati na bino. Ne soit même, ne soit pas même nommé parmi vous. Etangama Etangama atate. Etangama atate katikati na bino. Voilà. Balo bateke frère moko. Aza impudique, aza fornicateur. Qu'on ne dise pas qu'un frère est impudique, est fornicateur. Il sera commis à fornicateur. Parmi vous. Que ces choses ne soient pas même nommées parmi vous. Nandengi nini. Comment? Mais ici, qu'il convient à des saints. Mais na yangonde bongi na basanto. Bino boza basanto. Mais vous êtes des saints. Bino kondengonde ko utanga manakati. Mais comment ces choses doivent être nommées parmi vous? Et bongo na basanto te. Mais ça ne convient pas aux saints. Qu'on entende à place, na place, y a biloko anaisa nommé parmi nous. Au lieu que ces choses soient nommées parmi vous. Mais qu'on entende. Kasiba yoka. Ni qu'on entende. Qu'on entende. Oui. Bayoka. Pas qu'on entende. Qu'on entende. Bayoka te. Ah. Qu'on entende. Bayokate ni parole grossière. Tombe maloba wa minene minene. Maloba ya soni. Maloba ya soni. Des paroles grossières. Maloba ya bosoto. Des paroles impures. Ni propos, ni propos insensés. Oh na maloba oyo ya bazangi maele. Masolo. Masolo ya bazangi maele. Vous voyez? Omoni. Ou équivoque. Des paroles équivoques. C'est-à-dire des paroles contradictoires. Duplicité. C'est ça l'équivoque. Il faut enlever l'équivoque. Premièrement, tu m'as dit ceci. Maintenant, on est le contraire. Enlève cet équivoque. C'est ça. Pourquoi? Choses qui sont contraires à la bienséance. Biloko yobikeseni na lolenge malamu ya kozala. Voyez. Bomoni. Maintenant à la place de ces choses là. Na isika na ko. Oye boyamikeyo kamaka etanga maka. Qui sont très fidèles. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Eto kande ba matondi. Car. Jambi. Sachez le bien. Boye ba yango malamu. Avant l'enlèvement, sachez le bien. Yambona koneto la mabwe. Avant liwa ya boko na moko. Sachons le bien. Qu'aucun, aucun débauché, aucun fornicateur, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage. Azana Liboula. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Et c'est le royaume de Christ et de Dieu. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Si vous pas régner, pas tomber balé, n'a Christ et n'a Dieu. Est-ce qu'il faut maintenant régner deux personnes, Christ ça, et Dieu? Ça, c'est le grand mystère. Oh, Yézali, bon, mami, yango, mon nene. C'est le grand mystère. Yézali, bon, mami, yango, mon nene. Celui qui devait venir en tant que Christ ici sur la terre, en tant que le Messie, Messia, c'est Yahvé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. C'est lui. C'est lui. C'est Dieu lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Vous voyez? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Kolilo banzambe yango. La parole de Dieu est là. C'est seulement lui qui est digne.
de recevoir tout. L'honneur lui appartient. La gloire lui appartient. La sagesse Bwanya. Lui appartient. Aye. L'intelligence Maele. Lui appartient. Aye. La connaissance Boyebi. Lui appartient. Aye. Même la science Ata Maele. Lui appartient. Aye. Tout pouvoir Bokozinyos. Lui appartient. Aye. Toute puissance Nguyanyoso. Lui appartient. Aye. L'église Lingomba. Lui appartient. Aye. Des saints Basanto. Lui appartient. Aye. Des anges Bange. Lui appartient. Aye. Croyez-vous cela? Bondibiyango. Tout est à lui. Il mérite nos cantiques. Nous pouvons le chanter. Nous pouvons le louer. L'exalter. L'élever. L'adorer. Se prosterner devant lui. S'humilier devant lui. Lui rendre grâce. Il mérite de tout cela. C'est pourquoi frère Branham disait, ne dites à personne merci. Mais dites merci à Dieu. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il faut que Dieu utilise l'homme pour qu'on voie quelque chose, pour qu'on aille quelque chose, il faut que l'homme soit utilisé par Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire au micro merci. Quand moi je parle, c'est moi qui parle. Ce que nous devons faire, c'est merci. Entraînez un micro. Entraînez un micro. Il ne dira pas merci. C'est à moi qu'il dira merci. Vous êtes dans l'autre côté. Je ne suis rien. Il faut jamais utiliser. Il faut que Dieu utilise. Il faut jamais aller comme derrière le micro. Il faut que Dieu parle. Moi, il faut que Dieu soit derrière moi. Il faut que Dieu soit derrière moi. Derrière toi. Qu'il soit derrière toi. Derrière nous. Qu'il soit derrière nous. C'est à ce moment-là que tu verras nos choses. Et à ce moment-là, la gloire sera pour moi. Mais il y a un jambende. La gloire sera à Dieu. Dites amen. Bon, remets à la bongo. Amen. Ezala bongo. Amen. Ezala bongo. Amen. Ezala bongo. Lelo ikomeka ka sokinga na lobina ba. Nga Dieu m'a mis pasteur ici. Aujourd'hui c'est des Dieu m'a appelé pour être pasteur. Dieu m'a appelé pour être évangéliste. Je le suis parce que je vous ai témoigné. C'est pas ça. Ezala bongo te. Comme yo kesi ba Pierre bazaki na ba micro. Eh toi tu penses que le Pierre avait des micros? On ne comprend rien. Donc, toi, qu'on soit sur les logos. Toyoki loue la bouche autorisée. Il nous dit que ce n'est pas que parce que tu penses que Dieu t'a appelé et tu l'es, tu l'es. Nous avons tu es cela, non. Nous avons écouté la bouche autorisée. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es ça et que tu l'es. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ton ministère. Non. Pour que Dieu m'a appelé moi. Moi je suis ministre. Je suis serviteur de Dieu. Même serviteur de Dieu n'est pas notre nom. Même Moussa Lanzambe, ça comme on a dit. Ne faut pas nous appeler serviteur de Dieu. Il dit ici que si nous, nous sommes les serviteurs de Dieu, et vous êtes qui? Vous servez qui alors? Vous servez qui? Ce n'est pas le nom d'un frère ici. Je vous présente le serviteur de Dieu. Oh, bien aimé frère, serviteur de Dieu, tu es où? Serviteur de Dieu, celui qui s'appelle le serviteur de Dieu. Arrêtez avec ces choses, ce n'est pas bien. Appelons-nous frère. Pour être, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est dans la doctrine même.
C'est dans l'enseignement de Jésus. Ce n'était pas une question, mais c'était dans son enseignement le plus long. Est-ce que ça pour elle? Est-ce clair? En disant cela, c'est-à-dire que les ministères n'existent plus. Bah, ancien, bah, il n'y a plus des anciens. Il n'y a pas un frère qui s'appelle ancien. Il n'y a pas ancien. Un frère qui s'appelle ancien. Ancien. Moi, je ne m'appelle ancien, pas ancien. Mpaka. Ancien. Je m'appelle frère Liranga. Je suis votre frère Mpaka. Croyez-vous cela? Mpaka doko la bato ya kitawala, doko la bato ya kitawala na kimbangu mpaka mpaka. L'ancien comme de Kimbanguiso. C'est quoi ça? Boyete. Pas monsieur comme papa. Nous n'avons aucun pape ici. Nous avons des non, nous sommes tous des frères. Ils sont bas totali bandeko. Est-ce que ça brûle? Papa. Voilà doko la bato ya kimbangu. C'est comme le pevelon. Toi le pevelon. Tobonde. Prions. Yoka, tu me sois azati. Ayo. Donde obongi sadanga ngolu lokumunini ngana kozwa mutu pamba musumuke lokola ngai yonde donde obongisa moto mutu so tobale lo mutu akomala se mutu to bika di lobeza grâce e amakasi asaye lokomote so le loto zali obiso to zali ngolu nakomina naleginani haleluya o nkolo yaka Bongisa. Sembolangai. Papangai tayengai. Nabonga. Kuya na yue belemi. Na gogo tika la boe madodo te. Na nyamu nyamu da ma vie, non. Tout mon être tout entier est à la inclus dans ta sanctification par le sang et par la vérité. Merci Seigneur. Pesa obéissance de la foi. Pesa nga obéissance. Personne n'a pas obéissance. Le temps n'est plus, Seigneur. Le temps est proche, Seigneur. Et très proche. Ton retour est imminent. Oh, Kolo. Bongisanga nako bonga. Papa ngai nako papa. Sembolanga nako sembola. Lobirangai, Seigneur. Fungulanga matoi. Nayoka. Pesa motemba ya kondima. Bakishiranga bokasi. Bokasi pona kokoba mobembo. Oh, Nzambe, yonde ozako renouvelé force. Et pas yaba yaba koliki akati na yo. Yonde ozako augmenté vigueur. Et pas yaba yaba zo tombe en défaillance. Alléluia. Merci, c'est la grâce. Et pas yaba bilenge. Grâce, et pas yaba soba mikolo. Grâce, et pas yaba tei. Grâce, et pas yaba diakono. Et grâce, et pas yaba soba bandimi banso. Jambe la meta la me. O salisa o sunga. O sembola o petola o bongisa. Merci beaucoup. Amen. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Je n'ai jamais menacé quelqu'un. Non. Pour lui montrer que je suis servant de Dieu, si tu joues avec moi, tu verras. Non, Seigneur. Tu m'as épargné de telles paroles. Merci. Oh, Nzambe na ngai. Ozwa nkembo lokupe masanzu. Pambula mwana wa mobali. Pambula pe na mwasi. Ndio bonge na luku. Wapi ke nkolo Yesu azozonga? Vous savez que le Seigneur Jésus revient. Mais yona non di mediete. Mais toi tu n'as pas encore crié. Tu ne l'as pas encore crié. Il dit, celui qui croit en moi, deux fleuves d'eau vive
couleur de son sang. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui croira en moi, par votre parole, et qui sera baptisé, sera sauvé. Qui a cru à ce que nous venons d'entendre? Qui a cru ce que nous avons fait entendre? À ce que nous venons faire entendre? Qui a cru ou est le croyant? Qui a cru à la prédication? Et qui a pris la décision d'être baptisé en son nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wapio, tu es où? Lève le doigt ou la main. Si tu es là, tu as pris la décision d'être baptisé. Tu as déjà crié Jésus. Lève ta main. Tu es où? Tu es où? Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Tu es où? Tu vas mourir seulement incrédule? Tu mourras seulement comme ça? Ozawa. Tu es où? Ozawa. Tu es où? Ouais. Ouais. Frère Israël. Frère Israël. Koyako sambela pona biso. Tu peux venir prier pour nous. Monsieur, nous te sommes très reconnaissants ce matin. Tu as conduit nos pas à cet endroit afin que nous puissions entendre ta voix. Depuis la première minute jusqu'à présent, et pendant ces deux services qui ont eu lieu ce matin, tu es celui qui a parlé. Amen. Et maintenant, nous voulons te dire merci. Tu as nourri nos âmes avec la parole révélée. Et nous croyons, Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Merci pour la parole qui est sortie du trône de ta grâce. Bénis notre bien-aimé frère Evald Frank. Bénis ton serviteur que tu as employé à cet endroit. Et bénis l'église tout entière. Amen. Nous invoquons ton nom sur ce peuple. Sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Guéris chacun de nous. Donne la force à ceux qui en manquent. À moi particulièrement, Seigneur. Amen. Soutiens chaque frère et chaque sœur. L'heure est avancée, Seigneur. Et ton retour est proche. Il est dit dans ta parole, celle qui est prête, c'est celle qui entrera. Nous voulons être prêts ce jour-là. Amen. Nous voulons nous préparer pour entrer dans la gloire. Merci pour le nouveau commencement que toi tu as fait par Jésus-Christ. Après le péché, il t'a plu de faire un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, tu l'as fait par Jésus-Christ. Lui qui est le premier-né. Et nous, le premier-né. Bien-aimé Seigneur, c'est un
nouveau commencement. Ezalinde bandelo ya sika. Tu as fait de nous une nouvelle création. Osali biso ekela mona sika. Dont Jésus-Christ, je voulais dire, est le premier-né. Oh, Jésus-Christ, azali mwana ngwa mbota mina ya mbona linga na loba. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'être avec nous. Siko nkolo to ko sengeto ozali longona biso. Quand nous allons quitter cet endroit, wane koti ka biso esika ye. Bénis la semaine qui a commencé. Mambola poso esiko banda. Bénis les bien-aimés sœurs. Pambola balinga mi bande kobasi. Bénis les couples, Seigneur. Pambola ba couple nkolo. Sois avec le jeune qui se prépare Amen. Aujourd'hui, Seigneur de gloire. Zale longona bilenge ba komi bongisa lelo nkolo na nkembo. Ceux qui vont faire les examens, Seigneur, Amen. À partir de demain, nous te prions de les bénir. Ba eba ko sala mi mekano ya l'état banda mokolo malobi to ko senga to pambola bango. Sois avec les parents qui ont la responsabilité, Seigneur, de leurs enfants. Bénis la ville, le pays Amen. Tout entier. Nous te recommandons l'œuvre de Dieu dans ce Alléluia. Pays. Et nous te recommandons ton œuvre dans le monde entier. Sois aussi avec nous de l'autre côté. Amen. Bénis notre service de ce matin. Amen. Quant à notre séjour parmi le bien-aimé, nous te prions, Seigneur, de le rendre agréable. Amen. Et que nous puissions être en bénédiction comme Amen. Les bien-aimés sont en bénédiction. Seigneur. Merci pour ta conduite. Merci, Seigneur, de ce que nous croyons que l'Écriture ne peut pas faillir. Amen. Oui, c'est la vérité, Seigneur. Et ce que la Bible dit, nous le croyons. Soit avec nous à cet endroit. Seigneur, reçois chaque offrande. Reçois chaque frère et sœur. Bénis les uns les autres. Pardonne aussi nos fautes de manquement, Seigneur. Et par la puissance de ton sang, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur, que tu puisses nous réconcilier avec toi. Amen. Oui, nous avons été réconciliés avec toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et notre Sauveur. Bénis. Bénis-nous, Seigneur, en nous baptisant du Saint-Esprit et de Amen. Feu. Amen. Merci pour l'esprit d'adoption. Amen. Merci pour l'esprit d'adoption, Seigneur. Merci pour l'esprit d'adoption. Par lequel nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Amen. Aussi achève ton œuvre. Hein, en amenant dans l'épouse. Cette pierre de fête, Amen. L'amour qui est Dieu, qui est Jésus-Christ Alléluia. Dans le scellement d'en haut. Amen. Et nous soupirons cela. Amen. Et tu placeras chacun à sa place. Tu béniras chaque don. Alléluia. Et l'Église sera alors dans la puissance de la résurrection. Merci pour toutes choses. Bénis tous mes bien-aimés. Frères et sœurs. Bénis le travail qui sera fait dans les années à venir jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Et nous avons prié et demandé ainsi. Amen. 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 Tu as l'ingomba toloba amen. Puisque l'église dit amen. Et alléluia. Et alléluia. Zambe a pambola ndeko na biso. Que Dieu bénisse notre frère. Et a pambola biso basse. Et qu'il nous bénisse tous. Nous pouvons nous asseoir. Le frère, il y a banaye pe ko profiter ko communier na biso ko ape ko landa joba na nzambe. Parce que Bible le dit tous seront enseignés de Dieu.